Bonjour les gars, vous vous connectez, vous partagez, parce qu'il faut que ce soit rapide. J'ai jugé utile de vous présenter d'autres éléments, puisque je vous avais dit la dernière fois que je disposais de plus que ça comme éléments. Mais je sais pas, parce que ça m'amuse d'enfoncer davantage l'animal, j'ai décidé de présenter d'autres éléments. Parce que c'est toujours comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme le canard enchaîné. Vous avez vu comment opère le canard enchaîné? On n'a pas encore vu, hein? Vous savez pas? Eh ben, partagez le live, on va en parler tout à l'heure, les gars. On va en parler, on va en parler. Yes. Attends. Alors, allô? Ah bah non, ça passe pas, non. Alors. Donc, tac. Je suis en live déjà, donc. Alors, merde. Merde. Je suis en live déjà. Je suis en live, écrit STP. Voilà. Bon, on commence en musique le temps que vous partagez, le temps que vous vous installez. Donc, vous n'allez rien apprendre de mieux, de moins que la personne. En fait, ce que vous allez avoir comme information supplémentaire, c'est l'expérience en matière d'escroquerie de l'animal. Hein? Parce que l'animal essaie de présenter un certain nombre de choses comme un accident. Il y a des gens qui sont là. Oui, jamais ils n'atteindront ton image. Ils essayent de te salir, mais tu es une grande personne. Karine Bibian Richaud, viens voir ta grande personne. Partagez-moi les bêtises. Partagez les bêtises. C'est un ordre. On ne manque pas de respect au procureur. Bon, il faut un peu faire de la caricature et de la satire. Hein. Faut pas se prendre au sérieux tout le temps. Faut parfois passer pour un con. D'ailleurs, la liberté, c'est aussi ça, en fait. La liberté, c'est le droit de passer pour un con. Le droit de faire du genre papa, alors qu'on attend de toi que tu parles des mathématiques tout le temps, en sachant qu'il y aura trois personnes à te regarder. Non, la liberté, c'est ça. La liberté, c'est de venir me mélanger avec vous. Je suis libre de le faire. Parce que certaines personnes, maintenant, comme ils sont coincés, ils sont au fond du trou, ils disent, oui, on attend de toi que tu parles des choses sérieuses. Vos mamans. Vos mamans, je vous dis tout de suite. Donc, partagez-moi le live. Et puis, on va parler de tout ça. Bipez-moi, Karine Bibian Richaud. Hein? Vous allez voir le personnage là, celui qui vous jouez que non. En fait, il y a des personnes qui ont envie de s'inventer un monde, comme quoi des erreurs de prélèvement sur son compte, c'est un accident de parcours. Que nenni! Je vais vous l'expliquer. Son expérience d'escroquerie, ça date de. On a des histoires jusqu'en 2012. D'accord? Ça mêle la famille. C'est une famille qu'il faut sauver. La famille, cette famille-là, vraiment, c'est très dangereux. Très dangereux. Non, c'est même pas que je sois le Congo-Sa, parce que le Congo-Sa, c'est parler pour rien dire. Il y a quand même eu le son. C'est quand même à un moment donné. C'est pas parce que les travailleurs n'ont pas le temps de venir vous répondre tout le temps que vous allez vous sentir libre. Je sais que je suis un emmerdeur parce qu'on n'attend pas de moi que je vienne dans ce rôle. Et du coup, ça arrange des gens. Ça arrange des gens comme la greluche de croire que, la diaspora, c'est que des gens qui viennent demander les papiers en se faisant passer pour des homosexuels persécutés au Cameroun et qui très souvent bossent comme des laveurs d'assiettes et des vendeurs d'eau glacée à Château Rouge. Ça arrange ces gens de penser ça. Et du coup, ça les arrange quand des gens comme moi se taisent. Du coup, on résume la diaspora à ces gens et des greluches, des cruches comme elles, en s'exprimant, prennent les autres de haut et considèrent que la diaspora, c'est des grosses merdes, là, comme les Ducamères, vous voyez, des petits menus, des ratés, quoi, des raclures, des givrés de la cervelle. Voilà, la diaspora, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. La diaspora, c'est les mecs qui se mettent en live, qui se demandent comment survivre avec 1300 euros. Allez, je vous parle des gens comme les Ducamères. Pour eux, la diaspora, c'est ça. Et il faudrait que ça reste ça. Et pour ça, il faudrait que des gars comme moi restons silencieux. Hein, on ne vient pas. Parce que je suis quand même surpris.
J'ai vu des endroits où on partage mes vidéos sur les pages de Congossa. Vous avez des gens qui viennent là-bas dire on attendait d'autres de celui-ci. Mon ami, je ne sais pas si vous êtes tous tarés comme Mvoutson Marlène. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes vraiment tarés comme elle. Vous êtes inscrit sur une page de Congossa, vous vous étonnez de voir le Congossa? Vous faites ça comment, les gars? Vous êtes des sorciers? Hein? Vous êtes inscrit sur les pages de Congossa et vous vous étonnez de voir le Congossa? Donc vous êtes inscrit sur les pages de Congossa, mais il y a des acteurs spécifiques que vous voulez voir. Mais non, Serge Anango, non, pas lui, il n'a pas à venir là. Mais les gars, si tu es sérieux, tu n'es pas sur une page de Congossa. Moi, je suis abonné à aucune. Ça ne paraît pas dans mon fil d'actualité. C'est quand je tape Mvoutou ou Serge Anango pour voir ce que les gens disent, que je vois sur les, je tombe sur les pages de Congossa et je tombe parfois sur les commentaires assez hilarants. Si vous êtes sérieux, vous voulez des choses sérieuses, vous n'êtes pas inscrit sur les pages de Congossa. Et quand vous y êtes inscrit, ça veut dire que vous êtes déjà une grosse merde. On appelle ça en amont un biais de sélection. D'accord? Parce que pour voir ce qu'il y a sur une page de Congossa, pour être constamment aware, il faut y être inscrit. Ça veut dire que c'est une démarche. Tu as fait le choix, tu avais la possibilité d'inscrire, par exemple, sur la page de Clotilde Duquem, qui est une Camerounaise mathématicienne, hein, docteur en mathématiques, qui travaille à l'université de Nice, je crois. Qui très souvent vous parle de la mathématique appliquée à la vie courante, donc c'est une Bamileke, hein, naturellement, qui parle des mathématiques appliquées à la vie courante, tu n'es pas inscrit à sa page. Tu n'es pas inscrit à la page de Clotilde Duquem. Hein, regardez très bien Clotilde Duquem, il faut que je regarde sa page sur YouTube. Vous allez voir, c'est une dame qui vient parler des mathématiques tout le temps, de comment on l'utilise dans tel domaine. Vous n'êtes pas inscrit là-bas. Il y a des gens qui parlent de politique tout le temps, vous n'y êtes pas inscrit. Et vous êtes inscrit sur les pages de Congossa. Et vous choisissez qui est l'acteur de Congossa, vous devez regarder. Non, pas lui, pas Kikinet, pas Kikinet. Non, 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 Kikinet, je ne dois pas le voir sur page de Congossa. C'est un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait là? En plus, il est ingénieur dans sa tête. Les gars, vous êtes mentalement désaxés dans votre cerveau. Sincèrement, si un jour j'avais votre cerveau, je me jetterais d'une falaise. Je ne comprends pas comment je peux être inscrit sur une page de Congossa et je m'offusque de quelqu'un qui fait de Congossa, comme si j'étais mieux. En fait, c'est pour ça que Marlène a autant de soutien. Parce que désolé, les gars, les gens sont très excusés. Moi, j'ai vu beaucoup de pages où les gens, au lieu de parler du fond du sujet, m'attaquent moi. Vous ressemblez tous à Marlène. Vous attaquez les gens sur ce que vous êtes. Tu es sur une page de Congossa et tu juges quelqu'un. Quand bien même je serais un Congossa man, c'est pas quelqu'un qui commente sur une page de Congossa qui pourrait me juger. Laissez des gars qui parlent de science tout le temps dire non, non, Serge Lango, je ne me mélange pas avec lui. J'aime bien parler de science en permanence. Non, non, je ne vais pas sur les pages de Congossa. Laissez ces gars-là parler. Mais pas toi qui es inscrit dans une page de Congossa, mec. Pas toi. Tu y es inscrit, connard. Tu y es inscrit. Tu es inscrit sur une page de Congossa, tu es inscrit sur une page qui ne fait que des ragots, et tu viens me juger, moi. Mais vous êtes tous des Marlène en puissance. Vous êtes tous des McDonald's Girls HLM. Hein? Maintenant, son nom composé, c'est McDonald's HLM. Vous savez, c'est un nom composé avec le tiret. Son nom, ce n'est plus un Woodson. C'est McDonald's HLM. Voilà. Mais vous êtes tous des McDonald's, des mademoiselles, McDonald's HLM. C'est incroyable. Mais jugez les gens quand vous êtes mieux qu'eux. Vous êtes tous des nullards, vous êtes des chômeurs, vous êtes des escrocs. Vous venez sur Internet juger les gens alors que c'est exactement ce que vous êtes. Comment toi, par quelle alchimie ton cerveau te permet, alors que tu es inscrit sur une page de Congossa, de penser quelqu'un d'être un Congossa man? Par quelle alchimie, mon ami? Par quelle alchimie? Vous faites ça comment? Votre tête là, il y a quoi dedans? J'aimerais bien. Hier, Platini, moi, on se posait la question. Avant le live, on disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, les gars? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? J'ai envie de fendre ça et de comprendre la logique qu'il y a dedans. C'est incroyable. C'est comme si tu vas tous les jours dans un bordel pour tirer quelques putes. Tu tombes sur ton cousin là-bas, tu te mets à lui faire la morale. Vous faites ça comment? Les gars, je suis désolé, les gars. Ça, c'est une partie que c'est mystérieux pour moi. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Est-ce que ça vous arrive parfois de vous poser des questions sur vos actes vous-même? Ou vous êtes totalement décorrélé de ce que vous faites? Vous êtes totalement décorrélé de ce que vous faites ou comment? Je ne comprends pas. J'aimerais rentrer dans votre cerveau pour comprendre. Je me vois mal, je suis en train d'aller dans un bar à pute pour tirer un coup. Je tombe sur Platini là-bas, je commence à lui dire, mais non, ce n'est pas bien. Vraiment, hein? Alors que tu es le successeur de notre père, qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Mais les gars, ça a un sens. Vous êtes tous des McDonald's Girls en puissance. McDonald's HLM. Vous êtes tous McDonald's HLM en puissance. Parce qu'il n'y a que ça. Il y a que ce genre de personne qui a l'aptitude d'attaquer les gens sur ce qu'elle fait exactement. Vous vous souvenez l'autre jour? Parce qu'elle a vu des Cofidis et Sofenco, parce qu'on a expliqué à des abrutis sur Internet que quand on est riche, on ne fait pas de crédit. Mais vous êtes malade. Vous avez appelé un riche pour lui poser la question? Vous avez vu un riche qui achète une voiture cash? Vous croyez que le leasing c'est pour les chèvres? Vous croyez que le leasing c'est pour les Ducamer? Ducamer peut prendre une voiture en leasing? Vous croyez que le leasing c'est pour les qui? Je vous pose une question, les gars.
Vous croyez que le leasing, c'est pour les qui? Vous croyez que le leasing, c'est pour les chômeuses comme McDonald's, HLM Girl? Vous pensez que c'est pour eux? Vous pensez que le leasing, c'est pour les Ducamer? C'est à ça que vous croyez? Mais vous êtes des malades, vous êtes complètement frappadingues. C'est toujours les pauvres qui sont là pour être en aptitude de mieux dire ce que les riches font. Que non, un homme, quand il est riche, il ne fait pas de crédit. Mais vous êtes complètement frappadingues. Allez souvent discuter avec les riches. Parce qu'arrêtez de vous ridiculiser comme ça sur Internet. C'est horrible. C'est horrible de voir des gens aussi débiles. Tu crois que quoi, il me reste quoi, à peine 120 000 de crédit. Tu crois que je peux pas rembourser ça? Tu vois que si je solde mon épargne, je peux pas rembourser mon crédit, mon crédit immobilier. Tu crois que je peux pas rembourser ça? Mais je comprends pas. Qui vous a dit que quand on est riche, on fait pas de crédit? Mon ami, je vais acheter des téléphones pour envoyer au pays. Si je peux payer en 4 fois, je paye en 4 fois. J'ai des revenus qui viennent tout le temps. On ne donne pas le crédit aux ratés. Qui, vous croyez qu'on peut donner le crédit à McDonald's, HLM Girl? Vous croyez qu'on peut lui donner du crédit là actuellement avec sa situation? On vous a dit qu'on donne le crédit à n'importe qui? Vous croyez que vous êtes en train de vous balader comme ça? Vous êtes complètement perdu? Vous rentrez dans la banque? On vous dit pardon, pardon, acceptez le crédit. Et vous dites non, non, moi je ne suis pas Serge Anango. Le crédit, je suis au-dessus de ça. Non, non. Mais vous êtes complètement frappadingue, les mecs. Complètement malade. Allez demander au Bernard Arnault s'ils ne font pas du crédit. Vous croyez, je vais vous expliquer. Le sportif camerounais qu'on appelle Ngannou, il a peut-être plus de liquidités que Donald Trump. Ce qui veut dire qu'un Ngannou peut plus facilement disposer dans son compte de 500 millions, de 500 000 dollars plus facilement que Donald Trump. Mais vous ne pouvez pas savoir ça parce que vous êtes complètement pauvre. Vous êtes dans un autre milieu, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Floyd Mayweather, s'il veut 500 millions tout de suite cash, il n'a pas besoin de faire un prêt. Donald Trump veut 500 millions cash. Donald Trump passe par un crédit. Pourtant, Donald Trump est plus riche que lui. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous êtes débile. Vous ne pouvez pas comprendre qu'Elon Musk, s'il a besoin d'un milliard là en cash, il ne va pas trouver les 1 milliard. Il est obligé de passer par un crédit. Alors qu'il pèse plus de 200 milliards, il a besoin d'un crédit pour avoir les 1 milliard. Alors que Floyd Mayweather, qui est boxeur, aura une facilité à avoir les 700 millions. Pourquoi? Parce que ses revenus sont en cash. Tous les revenus de Floyd Mayweather, c'est les combats, c'est les revenus en cash. Ce n'est pas les revenus des autres. Les autres, ils sont lourds parce qu'ils ont des actions qui ont de la valeur. S'il veut vendre son entreprise immédiatement, ça va faire vous. Ça veut dire que s'il pèse 220 millions, Elon Musk décide de dire, je vends tout. Il ne va même pas en tirer 50 millions. 50 milliards, pardon. Il n'en tirera même pas 50 milliards. Ou personne ne fait ça. C'est la valeur marchande. Mais s'il commence à vendre, ben les actions vont baisser et ça ne vaudra plus grand-chose. Et les actions, c'est quelque chose qui a une large variabilité. Hein. Une action peut avoir une valeur qui varie de 1 à 100. Pour vous dire, quelqu'un peut peser 250 milliards parce qu'il vend brutalement, il se retrouve en train de ne peser que 20 milliards. Donc il n'y a personne qui fait ça. C'est tellement débile. Je pense qu'il faut qu'on vous éduque. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse des lives d'éducation. Vous avez trop écouté des gens comme McDonald's, HLM Girl. Vous chiez dans la bouche. Parce que ce qu'il y a dans votre cerveau, vous êtes tout le temps allé ouvrir votre bouche sur ses fesses, d'accord? Elle a ouvert, elle a versé une bonne diarrhée dans votre gueule. Et c'est ça que vous ingurgitez dans votre cerveau. Parce qu'il faut quand même être débile pour raisonner comme ça en étant en bain. Faut être débile. Faut être débile, quoi. Vous croyez que le leasing des bagnoles, là, c'est aux qui, c'est aux chèvres? Vous croyez que les CSI, c'est quoi? C'est des mecs qui ont l'argent, ils achètent plusieurs maisons, mais ils passent par une CSI. Vous croyez qu'il fait quoi? Vous croyez qu'il met tout son argent dedans? Vous croyez que ce sont des chèvres? Vous croyez qu'on fait ça pour du camé? Qu'on a mis en place ce genre de montage financier, c'est pour du camé? Mais vous êtes complètement frappadingue, les gars. Vous êtes complètement zinzin du cerveau, je vous dis. Je suis désolé, hein, mais je n'ai jamais vu un peuple aussi animal. J'ai l'impression que depuis qu'Internet existe, vous êtes tout le temps allé, au lieu d'aller lire des livres, au lieu de vous éduquer, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, je vous ai souvent expliqué que quand j'étais petit, dans mon village, je suis désolé, je vais le raconter, les toilettes, c'était la porcherie. Ça veut dire que quand tu avais envie d'aller faire là, tu allais le porc ouvrir sa bouche, c'est des langues que tu jetais. Moi, j'ai l'impression que Marlène, c'est nous, et vous, vous êtes les cochons de quand j'étais petit. Parce que moi, dans mon village, il n'y avait pas de toilettes. Hein. Les toilettes, c'était la porcherie. Il y avait bien un truc aménagé là-dessus, façon toilette turque. Tu te courbais là-bas, tu balançais, le cochon, il récupérait les bêtises. Direct. C'était ça. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui avec les Marlènes. Marlène, c'est ça. Vous êtes des cochons. À chaque fois, elle vient là, elle se courbe, elle défèque sa diarrhée dans votre gueule, vous avalez ça, vous venez balancer sur Internet pour montrer à quel point vous êtes bête. 95% de ce qui m'a permis de confondre McDonald's Girl, c'est l'interprétation. Et c'est probablement l'efficacité de cette interprétation qui a poussé le corbeau à dire oui,
Ce gars, il est quand même pas mal. Je vais lui apporter un petit coup de pouce. Et d'ailleurs, ce corbeau, il vous traque. Il a décidé désormais que dès qu'il y a une influenceuse, blogueuse, là, qui va mimer une vie qui n'est pas la sienne, commencez les gens qui sont là en HLM, qui disent qu'ils sont milliardaires, vous inquiétez pas, votre dossier atterrira au bureau du procureur. Parce que vous allez voir les éléments que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez vous dire, mais comment il a fait pour avoir ça, ce procureur? Eh bien, je suis procureur. Je suis procureur. Donc, il y a des gens qui m'envoient des choses. D'accord? Donc, vous partagez le live, vous vous installez correctement et on écoute du Kid Suite. Du Kid Suite, pardon. Yeah.
Mais la musique adoucit les mœurs, ça apaise. Après une journée de travail, quand vous avez pointé votre pognon et que votre cerveau, il a un peu... comment dire? Il est rentré en ébullition, c'est quand même intéressant de le rafraîchir avec des musiques aussi douces de ce type-là. Donc voilà. Donc oui, je disais tantôt quand même que je sais qu'il y a des gars comme moi sur Internet, ça dérange parce que vous avez des personnes qui sont là, qui vous expliquent ce que les gens riches ne doivent pas faire alors que c'est des pauvres types. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un extrait de quelqu'un comme Ducamer. C'est quand même incroyable parce que c'est pour ça que je vous dis, on est quand même dans une société décadente. Quand il y a des personnes, à chaque fois, vous allez regarder les gens en sachant pertinemment que ce qu'ils vont dire, c'est des idioties. Vous allez regarder pour m'envoyer, pour me dire, regarde ce que l'idiot aussi dit. C'est pas forcément glorieux pour vous. Parce que si vous êtes tout le temps en train d'aller regarder ce qu'un idiot dit, quand est-ce que vous allez regarder ce que les gens censés disent? Vous n'avez que 24 heures dans une journée, les gars. Vous vous levez le matin, vous voulez savoir ce qu'Anango a dit, vous voulez savoir ce que Ducamer a dit, vous voulez savoir ce qu'Amer a dit, vous voulez savoir ce que Miss McDonald HLM Girl a dit, vous voulez savoir ce qu'un tel autre monsieur Bitry a dit. En fait, vous êtes partout, les gars. Vous faites ça comment, les mecs? Vous faites ça comment? Et au passage, vous savez très bien que des gens comme les Ducamer, c'est des ratés. C'est des personnes qui ne comprennent pas le pourquoi je balance mon salaire tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas, de la jugeote. Ils ne comprennent pas. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est des gens qui voulaient que les réseaux sociaux leur appartiennent. Qui voulaient que les seules personnes qu'on entend dessus les réseaux sociaux, c'est les gens. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a beaucoup de gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus aisés que moi qui nous suivent ici, mais qui simplement ne veulent pas rentrer dans ce genre de gadou. Parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie d'être salis, parce que voilà, c'est tout. Parce qu'ils viennent juste écouter, c'est beaucoup moins prenant pour eux. Ils veulent pas rentrer dans cette galoupe. Ce qui fait que les seules personnes qui rentrent la plupart du temps, c'est des gens au standard, sur le standard Bertie Le Camidesque, quoi. C'est les Bertie Le Camide, c'est les Ducamer. Et ces gens voulaient, en fait, que quand on parle de l'expression des Camerounais, que ce soit eux. C'est ça qu'ils auraient voulu. Ils auraient voulu que lorsqu'à chaque fois qu'on dit Camerounais de la diaspora, que quand on demande au portrait robot de la diaspora typique, que ce soit Ducamer qui sorte. Comme ça, ça leur permet de dire, si nous on est pauvres, c'est parce qu'il y a le racisme en France. Parce qu'un noir en France a du mal à s'en sortir. Ça leur permet de justifier leurs échecs. Alors que les mecs comme nous, on leur complique la vie de ce côté-là. C'est très compliqué de dire qu'il y a le racisme en France, que les noirs sont mal payés. Quand tu vois un black comme moi, bien bronzé de coupe de peau, qui vient t'expliquer que lui, il gagne 20 colos par mois. Je sais que ça les fait chier, quoi. Clairement, ça les fait chier. Ça les fait chier. Ils auraient voulu que... Bah, on a une vidéo récente de Ducamer qui se plaignait des conditions de vie avec 1300. Ça, c'est le genre de salaire qu'ils ont envie de voir sur les réseaux sociaux. Quand un Camerounais se connecte, il ne veut entendre ton salaire que si c'est un salaire misérable. Ça, c'est ce qu'il a envie d'entendre. Il n'a pas envie d'entendre que tu gagnes très bien ta life. Il n'a pas envie d'entendre que tu arrives à te verser... que tu arrives à avoir des revenus qui passent celui du président de la République. Ils n'arrivent pas à entendre ça. Parce que ça casse leur discours, ça casse leur narratif. C'est très facile d'expliquer aux gens, comme nous sommes arrivés en Europe, quand je tombais sur des gens qui venaient jouer la grande vie au pays, tu les voyais, tu croyais que c'était les big boss en France, ils sont en HLM, ils t'expliquaient que non, s'en sortir dans ce pays, c'est compliqué quand on est noir. J'ai tout fait dans ma vie pour éviter ces gens. J'ai dit, dès que j'avais ce genre de discours, je ne te visitais plus jamais. Je sortais d'un milieu pauvre et je me suis battu toute ma vie pour arriver en France parce que pour moi, c'était là-bas l'espoir. Et chaque fois que quelqu'un voulait m'arracher cet espoir avec des discours négatifs, je disais, va te faire foutre. Alors, je leur disais pas comme ça, va te faire foutre. Mais je coupais les ponts avec eux. Le premier d'ailleurs conseil d'ailleurs que j'ai donné à Platini quand il est arrivé, c'est celui-là, s'il se rappelle, que évite les affaires qu'on appelle le grand frère. Ne traite les gens que si tu sens qu'il y a un plus. Si tu as des gens qui ont raté leur vie et dont le discours est susceptible tout le temps de te polluer, ne les fréquente pas. J'ai dit entre 2004 et 2014, je ne fréquentais pas les Camerounais. Je ne fréquentais pas les Camerounais, je vous dis. Je ne fréquentais pas les Camerounais. Ce qui fait que quand je suis revenu, tombé sur l'affaire Nathalie, quoi, j'étais surpris des raisonnements des Camerounais. J'étais... Wow. C'est comme ça, mais comment les gens peuvent raisonner comme ça? J'arrivais pas à comprendre. J'étais complètement paumé. Je pensais que tu pouvais faire un texte bien argumenté. Les gens viennent répondre sur le fond. Comment vous appelez à l'école? Que quand vous répondez à un propos, vous devez répondre sur le fond. Je pensais, j'étais dans cette logique-là parce que c'est les rapports que j'avais avec les Whites. J'étais dans cette logique-là. J'étais estomaqué de voir que tu écris un texte bien argumenté. T'as un animal en bas qui vient. Tu ne dis rien de bon, mouf, dégage avec ça. Je disais, mais c'est quoi? Il se passe quoi dans leur tête? J'avoue que je ne comprenais pas. Mais après, j'ai vite compris le mood. Je suis devenu plus fort que vous, on est d'accord? Non, j'ai vite appris. Vous savez, la faculté, l'avantage d'être quand même quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne, c'est que tu apprends très vite. Alors là, on ne te la fait pas deux fois. Hein. Tu apprends très vite.
Très vite. Quand j'ai vu que vous fonctionnez à l'insulte, j'ai dit, c'est le rapport là que je vais avoir avec vous. Et maintenant, vous êtes le premier à dire, ah, il insulte beaucoup, c'est le plus gros insulteur de la toile. Mais c'est vous qui avez commencé, connard. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, je ne suis pas arrivé pour vous insulter. Hein. Je pensais, je vous dis, je pensais naïvement. Si, je vous dis, hein, quand j'arrivais sur les réseaux sociaux, vous pouvez interroger les premières personnes qui voyaient mon étonnement, qui ne comprenaient pas que je ne comprenne pas, qui dit, mais regarde, on dirait que tu as oublié les Camerounais. Je pensais encore qu'on était dans un monde où tu faisais argument, on répondait argument. Que si tu as un argument, que quelqu'un, que si tu as un argument, voilà, que vous avez ambassade junior, Anango, tu as atteint du syndrome Gilles de la Tourette. C'est dans ça que le Camerounais est bon. Uniquement dans le jugement de valeur, il ne peut pas te produire un argument. Il ne peut pas te produire un raisonnement qui prouve que son cerveau est vivant. Impossible, ambassade junior. C'est ça le Camerounais. Et il est surpris que toi, en retour, tu ne lui donnes que les insultes. Il croit que son jugement de valeur vaut mieux que les insultes. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des tarés dans votre cerveau. Vous n'allez pas bien. Il y a un truc là-dedans qui ne va pas bien. Je ne sais pas d'où ça sort. Il faudrait qu'on se pose des questions. Vous n'allez pas bien. Tu crois que quand tu balances un jugement de valeur à quelqu'un, quelle est la meilleure réponse? La meilleure réponse, c'est qu'il te chie dans la gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Pour te montrer le mépris qu'il a pour des écervelés pareils. Tu n'es pas capable de produire un raisonnement. Le jugement de valeur, sachez que tout le monde peut le produire. Il n'y a pas un mérite pour ça. Tout le monde peut produire des jugements de valeur. C'est pour ça que moi, en réponse à un jugement de valeur, j'insulte et je bloque. Voilà. Et après, vous êtes les premiers à dire, tu insultes beaucoup les gens, tu n'aimes pas la contradiction. Ils appellent contradiction jugement de valeur. Sérieusement, ambassade junior. Il va dire, Serge Anango, je t'ai contredit en disant, tu es atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Jugement de valeur. Il ne peut pas faire un raisonnement, le mec. Il ne peut pas venir ici dire, je vais apporter une contribution à l'élévation des Camerounais. Je vais leur dire, attendez les gars, acceptons notre vie telle qu'on est. C'est le gage pour s'améliorer. Il ne peut pas produire ce genre de raisonnement. Il ne peut pas. Et vous savez, vous avez des gens qui voient deux personnes clash ensemble et vous disent, vraiment pour moi, c'est les deux pareils. On reconnaît l'idiot quand il est incapable de catégoriser. Vous savez, les blancs, avec leur notion d'ensemble, catégoriser les ensembles. Par exemple, l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des nombres naturels, l'ensemble des nombres. Vous voyez, on catégorise. Pour un noir, un nombre, c'est un nombre. Mais pour un européen, un nombre, c'est pas un nombre. On catégorise. Et le cerveau intelligent, c'est le cerveau qui est capable de faire des distinctions. Vous n'arrivez pas à faire la distinction. Vous n'arrivez pas à voir Serge Anango et Marlène. Vous n'arrivez pas à voir la distinction. Vous voyez deux personnes qui clashent. Et pour vous, deux personnes qui clashent, c'est deux personnes pareilles. Voilà votre cerveau. Voilà comment vous êtes givré de la cervelle. La minute d'après, c'est quoi? Deux policiers qui sont auteurs dans une fusillade, ben ils sont pareils. Un policier et un voyou qui font une fusillade sur la place publique. Le policier neutralise le voleur. Et à la fin, on va entendre des idiots comme ça dire, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Ils ont tous les deux utilisé les armes. Ça, c'est le signe d'un idiot. Ça, c'est le signe d'un abruti complètement frappadingue. Un idiot. Il ne sait pas faire la catégorisation. Il ne connaît pas séparer par ensemble. Non, là, on va mettre les ensembles des... Tac, 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 tu vois, ensemble des nombres naturels, c'est là. L'ensemble des nombres relatifs, c'est ça. Oui, et bien évidemment, il contient l'ensemble des nombres naturels. L'ensemble des il contient également l'ensemble des nombres relatifs. Voilà, c'est ça. Par contre, il ne contient pas un certain nombre de nombres. Par exemple, certains nombres transcendentaux, il ne les contient pas. Voilà. Donc, on va dire... il ne contient pas les nombres irrationnels. Hein. Transcendentaux, ça veut dire que tu n'es pas... solution d'un polynôme à coefficient dans n, quoi. Bon, bref, on va dire qu'il ne les contient pas. Donc, il faut créer d'autres ensembles. On va sur les ensembles de nombres réels. Puis, après un moment, on se rend compte que mais, il y a d'autres ensembles qui peuvent être intéressantes. On ne voit pas trop l'aspect pratique dans la vraie vie. Mais par contre, en théorie, ça pourrait aider. L'ensemble de nombres complexes. C'est cette catégorisation qui a fait que le blanc vous dépasse. Par exemple, chez vous, dans votre village, un chat, c'est un chat. Ça désigne tout type d'espèce. Est-ce que vous avez des noms pour différents types de chats? Non. Parce que pour un villageois, un chat, c'est un chat. Alors qu'il y a plusieurs types de chats. C'est pareil pour un chien. Un chien, c'est un chien. Chez moi, un chien, c'est un pru. C'est un pru, un truc comme ça là. Donc, il n'y a pas de Rottweiler, il n'y a pas de Labrador, il n'y a pas de distinction. Pour le chien villageois, un chien, c'est un chien. Et c'est ça. C'est avec ce cerveau-là que vous venez analyser les choses sur la place publique. Votre cerveau n'est pas apte pour faire des distinctions. Votre cerveau ne sait pas faire les distinctions. Et c'est ça la caractéristique d'un cerveau intelligent. C'est d'être capable de faire du discernement, de discriminer, faire la distinction dans deux situations. Dans le conflit qui m'oppose avec Miss McDonald, HLM Girl, il y en a un qui dit ce qu'il fait dans la vie, qui peut le prouver, qui le prouve, qui déclare « je gagne tant », ça correspond à la réalité. Puis il y a une autre. Moi, il n'y a pas, j'ai pas de créancier. Hein. Je suis pas allé au tribunal pour des affaires d'escroquerie ou de fraude. Vous avez une autre qui dit,
je suis milliardaire, mon mari c'est un juif, ingénieur, bourgeois, d'une grande famille d'héritiers riches. Et au final, on découvre que la personne vit en HLM, que la personne a du mal à payer son loyer et que la personne est une escroc. Mais vous arrivez à dire que non, non, c'est les deux, c'est pareil. On met les deux dans le même sac. Vous faites ça comment, les gars? Si toi, tu soutiens Kamto, tu dis que Paul Biya, c'est un voleur. On te dit que Kamto et Paul Biya, c'est la même chose parce que Kamto a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya. Tu vas trouver que c'est débile, non? Et tu auras raison. Tu vas trouver que c'est débile. Comment sur cette affaire, tu arrives à faire une chose à la confusion? C'est l'attitude, c'est comme ça qu'on constate les déficiences d'un cerveau. Quand vous ne savez pas faire les distinctions, vous êtes quelqu'un de bête. Vous êtes quelqu'un de bête. Si vous ne savez pas faire la différence entre celui qui réagit et celui qui a provoqué au départ, vous êtes un abruti fini. Vous êtes un abruti, pourquoi? Parce que vous mettez votre affect. Parce que je sais très bien que vous n'allez pas juger les mêmes problèmes de la... Vous n'allez pas juger les problèmes de la même façon. Quand quelqu'un commence à dire Serge Anango et Marlène, c'est la même chose, c'est qu'il a accepté que Marlène, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui, au départ, avait plus un penchant pour Marlène, mais c'était donc, parce qu'il détestait Serge Anango, se sentait obligé de défendre Marlène, parce qu'il n'y avait pas toutes les preuves qu'on avait. Maintenant que toutes les preuves sont là, elle sait que si elle défend Marlène, elle va se fourvoyer, mais comme elle déteste quand même Serge Anango, elle va dire que c'est les deux pareils. Elle va dire que les deux sont pareils. C'est ça, le cerveau de noir. Parce qu'il ne juge pas les faits tels qu'ils se présentent, il juge les faits avec son affect. C'est pour ça que vous avez des écervelés dans toute la Facebook sphère qui vont vous dire un ingénieur qui attaque une femme vraiment, est-ce que c'est un homme là-bas? Ah oui, les femmes doivent attaquer, ça c'est un propos sexiste. Hein. Dans certains pays, vous pouvez être condamné pour ça. Une femme, c'est un être humain, ce n'est pas un sous-être. Je vous ai souvent parlé ici de Amy Noether. Elle a mis en place en 1918. Un théorème qu'Einstein a dit, c'est un monument de la physique, le théorème d'Amy Noether. Toute transformation infinitésimale, ne laissant pas, laissant invariant son Lagrangien, conserve une quantité. Ce théorème explique toute la physique. Et c'est ce théorème-là qui vous explique pourquoi la sorcellerie n'existe pas. Parce que ce théorème met en lumière, de façon absolue, l'invariabilité des lois de la physique en fonction du temps. Si une loi de la physique est invariante en fonction du temps, conclusion, elle conserve l'énergie, la conséquence, hein, vous développez, vous arrivez que ça implique la conservation de l'énergie. Voilà, c'est quand même une grandeur, c'est quand même une équation qui est très importante, l'équation de la conservation de l'énergie. Quand une loi physique est invariante par translation, la valeur qui est conservée, la grandeur qui est conservée, c'est la quantité de mouvement. C'est la loi de Newton, par exemple, somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Quand une loi physique est invariante, par rapport à la rotation, la grandeur qui est conservée, c'est le moment cinétique. C'est par exemple le cas des planètes qui tournent autour de la Terre. Si la trajectoire est contenue dans un plan, c'est parce que le moment cinétique se conserve. Sa variation est nulle. Voilà. Donc le moment cinétique se conserve. Vous voyez? Ça, c'est le théorème des Minoteurs. C'est une femme. Je voulais que je vous parle de Curie. Des incervés là en 2024, vous allez encore croire. Je vais vous expliquer un truc. Hein. Si vous prenez la courbe de Gauss de l'intelligence homme comparée à l'intelligence des femmes, vous verrez que dans la tranche de l'intelligence normale, c'est-à-dire à moins 3 sigma des extrémités, 3 écarts types, en fait, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. En moyenne, une femme est plus intelligente qu'un homme. En moyenne, le QI, parce que l'unité de mesure de l'intelligence, c'est le QI. C'est pas la taille d'une dingue. C'est le QI. Ben, dans cette tranche-là, les femmes sont plus intelligentes. C'est la science qui le dit. La seule partie où les hommes sont supérieurs, c'est au niveau des extrémités. Aux extrémités, la courbe des répartitions des QI, du QI des hommes est au-dessus de celle des femmes. Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand vous arrivez sur des super génies, c'est généralement les hommes. Et aussi, quand vous arrivez sur des super abrutis, c'est aussi les hommes. Puisque la courbe de Gauss, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, l'être humain le plus idiot, c'est incontestablement un homme. Et l'être humain le plus intelligent, c'est un homme. Mais dans la moyenne, la courbe des femmes, elle est au-dessus. Donc, ce genre d'argument débile, ça vient de votre village. Votre village, vous avez vu votre père traiter votre femme comme un moins que rien. Donner l'impression qu'une femme, c'est rien. Une femme, c'est une merde. Une femme, elle est simplement réservée à faire la cuisine. Désolé, les gars. Si Miss McDonald Girl est une abrutie, est une cruche, une greluche qui n'a pas été capable de faire ses études correctement, ce n'est pas parce qu'elle est une femme. C'est juste parce qu'elle est bête. Point à la ligne. Faut pas chercher dans le sexisme. Donc, quand une femme attaque, on doit lui répondre.
On doit lui répondre. Si une femme veut me poignarder avec le couteau, oui, je vais me défendre comme c'était un homme qui voulait ma peau. Je n'ai pas, quand je discute avec une femme, je n'ai pas envie de la gifler, pas plus que quand je discute avec un homme, je n'ai pas envie de la gifler, de gifler l'homme. Je veux dire, voilà. Une femme qui me poursuit avec le couteau, une femme qui a une arme et qui pointe sur moi, elle tire, ça va me tuer. Donc je ne comprends pas souvent ces raisonnements de villageois. Arrêtez souvent d'être débile comme ça dans votre cerveau. Bah oui, ceci explique le pourquoi Bob de Paris, ceci explique pourquoi McDonald's Girl a tenu en laisse le neuneu. Oui, dans l'intelligence normale, McDonald's Girl est au-dessus du neuneu, oui. Il y a la probabilité que son intelligence soit supérieure à celui de son neuneu de mec, mais elle est presque de 1, donc c'est tout à fait logique. Donc c'est normal que le mec, il a pris, pour un pauvre type, il a pris tout son héritage pour aller donner au Jésus. Je suis sûr que le gars-là, il n'avait pas les problèmes bancaires quand il était seul. Il a commencé à avoir les PB quand il a connu l'Angala, parce que vous allez voir le passif de l'Angala avant de découvrir le gars. Mais attendons d'attendre, on attend d'atteindre 250. Donc partagez le live, mettez les cœurs. Vous allez voir le passif de l'Angala, que les gens viennent ici prétendre. Parce que je vous connais les gars, je vous know. Il y a des gens qui se taisent maintenant, qui vont jouer sous l'oubli, qui vont dire, oui, dans 6 mois, on aura peut-être oublié, et on va recommencer à dire que Marlène est une grande dame. Comme vous avez fait avec son expulsion. Vous avez réussi à faire passer ça pour un fait singulier. Mais c'était révélateur d'une escroquerie. Vous allez voir qu'en 2022, quand on expulse quelqu'un qui a une longue expérience de loyer impayé, monsieur. C'est ça que vous allez voir là. C'est ça que vous allez voir. Quelqu'un qui a l'expérience des loyers impayés. L'expérience de la fraude. L'expérience d'être convoqué tous les jours au commissariat pour des affaires de fraude. Je vous ai dit la dernière fois que je ne vous donnais pas tout. Parce que je suis comme le canard enchaîné. Je balance une partie, je vois comment la personne se débat. Et après, j'apporte le coup fatal. Parce qu'elle va devoir maintenant aussi se justifier sur ça. Elle a cru qu'en fait, tous les éléments qu'on avait, c'est ce qu'on avait balancé. Elle a essayé de dire, oui, Anango dit que le contrat de bail, c'est en 2020. Comment ça se fait que je fête l'anniversaire? Mais parce que les contrats de bail sont renouvelés tous les 3 ans, connasse. Voilà. Donc, quand tu as voulu faire ton attestation, la personne qui a établi l'attestation a établi à la date du début du contrat. Elle a juste mis la date du début du contrat. Oui, j'ai effectivement une facture dans ce logement-là en 2018 concernant ton enfant qui était à Eric en semi-pension. J'ai une facture là-dedans, je savais. J'ai une facture. Donc, je balance les éléments, je vois comment tu te débats et je vois comment tes followers font. Si je sens que tes followers sont en train de trouver un angle d'espoir, pour te défendre, je viens que je les assomme. Je suis là pour tes followers. Toi, tu ne m'intéresses plus, McDonald's Girl. Toi, terminé, tu es une fauchée. On sait, c'est fini, tu es fauchée. Tu peux même pas aller porter plainte parce qu'au commissariat, on te prend pour sérieux. Déjà, je vais te dire. Ta carte de séjour, tu sais pourquoi tu n'as pas de carte de séjour alors que ta carte de séjour, c'est un dû. Hein. J'ai entendu ton explication débile qui consistait à dire que quand on n'a pas, que pour une Française, pour pouvoir renouveler ses papiers, il faut être sur le contrat de bail. Et il se trouve que ma petite sœur, elle est dans la même situation que toi. Camerounaise, vivant avec un Français. Il se trouve que contrairement à ton mec qui est un fauché, qui est un neuneu, qui est, voilà, le copain de ma sœur est propriétaire. Donc ma sœur l'a trouvé, il avait déjà, il était en train de construire sa maison. Donc tous les documents sont au nom du gars. Vous croyez que c'est comment? Vous croyez qu'ils sont allés chez le notaire pour ajouter mon nom? Le nom de ma sœur? Non, une attestation d'hébergement suffit, connasse. Tu veux tromper qui là? Attestation d'hébergement, ça suffit. Abruti. Tu fais genre, non, comment se fait-il que, vous savez très bien que si je suis étrangère, il me faut mon nom sur le contrat de bail pour pouvoir renouveler les papiers. Donc, comme il n'y a pas mon nom sur ce contrat de bail, alors que vous savez pertinemment, non, l'Angala, c'est une prestidigitatrice. Vous êtes allé souvent regarder le spectacle des prestidigitateurs, c'est ce qu'on appelle le magicien là. Sachez que quand vous regardez un spectacle de prestidigitation, d'accord? En général, quand le magicien vous entraîne quelque part, c'est pas là-bas qu'il y a la vérité. Quand le magicien vous brille quelque part, vous avez souvent vu les femmes qui sont là sur le plateau, les femmes qui sont là, qui dansent et qui sont sexy, qui se trémoussent, c'est pour vous distraire parce qu'une belle femme, ça distrait tout le monde. Ça distrait l'homme parce que l'homme, putain, il est émoustillé devant tant de rondeur. Et puis la femme qui surveille les yeux de son mari, est-ce que mon mari regarde la scène ou est-ce qu'elle regarde la nana, dont la femme? Donc personne n'est attentif à ce que fait le magicien et c'est là-bas qu'il fait son tour. Le magicien n'a pas de super pouvoir. Il trompe vos sens. Alors Marlène vous entraîne dans un tunnel qui consiste à faire croire qu'en France, on ne pourrait pas renouveler ses papiers s'il n'y a pas son nom sur un contrat de bail. Et que elle ne serait pas, et que ce ne serait pas acceptable pour elle de vivre dans une maison où il n'y a pas son nom sur le contrat de bail. Parce que sinon, elle ne pourrait pas renouveler ses papiers. Donc, comme
ceci est établi que pour qu'on renouvelle tes papiers en France, il faut ton nom sur le contrat de bail. Ça veut dire qu'il faut le vrai contrat de bail a nécessairement son nom. On remarquera au passage qu'elle n'a pas produit le contrat. Parce que c'est très facile de faire taire une rumeur. Hein. C'est très facile de faire taire. Vous pouvez multiplier 150 directs. Je vous ai dit la dernière fois quand je faisais le live qu'elle va multiplier 45 lives. Et ce n'est pas fini. Parce qu'avec ce que je vais lui balancer tout à l'heure, elle va encore faire 175 lives. Bon, au moins, il y a des gens qui vont être tranquilles. Brand d'abord pour être tranquille. Nathalie Kouah sera tranquille. Guylaine Chapuis sera tranquille. Paul Bia sera tranquille, Chantal Bia sera tranquille, Samuel et tous seront tranquilles. Donc, c'est vraiment... Franchement, quand je te vois te débattre, Marlène, j'ai dit, tu es vraiment en train de faire le job. Les choses se passent comme prévu, d'accord? C'est pour ça que toi, tu ne m'intéresses plus. C'est tes followers qui m'intéressent, parce que j'adore les torturer. Ils aimeraient vivre dans une illusion où il y a un semblant de vérité. Je les connais, on leur a arraché un beefsteak. Parce que comme tu es fausse, comme eux, tu étais l'intello qui validait les idées des abrutis, en fait. Tu sais, l'abruti, c'est quelqu'un qui va raisonner comme une débile. Tu vois? Et pour se rassurer qu'il n'est pas débile, il a besoin d'un... Comment dire? Il a besoin d'une autorité pour valider ses conneries. Donc quand tu vois une docteur, pseudo-docteur bien sûr, parce qu'on va aussi en parler de ces docteurs. Quand tu vois une pseudo-docteur qui va avoir les analyses aussi villageoises qu'elle, il va se dire, non, moi je suis pas bête en fait. Je raisonne bien, la preuve, un docteur a raisonné comme moi. Et c'est pour ça que des gens comme Kikinette sont un problème. Parce que Kikinette ne raisonne pas comme un vendeur d'eau glacée. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, comme le vendeur d'eau glacée, à chaque fois qu'il écoute Kikinette, il se rend compte qu'il est débile. Et du coup, il tombe en dissonance cognitive. Comme il se rend compte qu'il est débile, bah, il va agresser l'objet qui lui montre sa débilité, c'est-à-dire moi. Il va m'agresser, il va être agressif, il va être violent, il va m'insulter, et il va dire, Marlène te dépasse! Une phrase qui ne veut absolument rien dire. Et moi, je vous dis, j'étais assez abasourdi, puisque moi, comme je vous dis, j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai quitté le milieu des Camerounais entre 2004 et 2014, c'est-à-dire quand j'avais 22 ans, je ne suis revenu que quand j'en avais 32. Donc, c'est pour vous dire que j'étais surpris de voir des gens de mon âge parler encore comme à l'école maternelle. C'est à l'école maternelle qu'on dit tel te dépasse, tel autre te dépasse, tel autre te dépasse, ça ne veut rien dire. Il faut des critères. Il faut des critères. Si vous voulez me dire qu'elle me dépasse, elle mensonge, oui, vous avez raison. Il faut présenter un critère. Si vous voulez dire qu'elle me dépasse avec sa poitrine, oui, bien que j'ai un peu une petite poitrine. En fait, elle me dépasse avec sa poitrine. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez me dire qu'elle me dépasse avec son cul, oui, elle a un gros cul. Oui, elle me dépasse avec ça. Si vous voulez me dire qu'elle me dépasse avec son QI, là, j'ai de sérieux doutes. Parce que l'intelligence, c'est comme la force, c'est comme la puissance. Ça s'exprime. Vous ne pouvez pas voir une bagnole qui fait 1000 chevaux qui ne se voit pas. Quand on voit une bagnole qui a 10 chevaux sur le capot et une bagnole qui n'en a pas, on voit la différence. Au démarrage, on voit la différence. La puissance s'exprime. La puissance, ce n'est pas quelque chose que tu gardes pour toi. Tu ne dis pas, je suis puissant, mais je cache. Je suis intelligent, mais je cache. Non, l'intelligence se matérialise par des actes, par l'action. Tu ne peux pas dire, je suis intelligent, et tu as le même niveau d'analyse qu'un vendeur d'eau glacée. Ça veut dire, soit tu es intelligent, et tu caches, et tu joues l'idiote. Alors comment ceux qui te suivent jugent de ton intelligence à partir d'une image que tu fabriques? Si tu es intelligent et que tu caches et tu joues l'idiote, comment peut-on juger ton intelligence alors? Ceux qui disent que tu es intelligent se basent sur quoi? Ils se basent sur ta version stupide en fait. Ça veut dire que pour être intelligent pour le Camerounais, il faut être un débile, il faut être un malhonnête, il faut être un faussaire. C'est pour ça qu'ils aiment des gens comme ça, parce qu'ils se rendent compte que mince. Ah oui, quand je réfléchis parfois bizarrement là, en vendant mes prunes, je me dis que je suis bête, j'ai raté l'école. Mais ce docteur-là, quand je l'écoute, je me rends compte que je ne suis pas si bête. Mais vraiment, merci vraiment docteur. Merci docteur de nous éclairer. Non, elle ne t'a pas éclairé, connard. Tu es allé là-bas écouter ce que tu avais envie d'entendre. Parce que l'éclairage, c'est chez Serge Anango. C'est chez Serge Anango que tu entends ce que tu n'aurais pas imaginé entendre. Tu entends ce que ton cerveau n'avait pas pu produire. Et comme ça rentre en contradiction avec tes croyances jusque-là de façon brutale, ben tu tombes en dissonance cognitive et tu commences à insulter Serge Anango. Et puis tu vas chercher tous les moyens de le discréditer. Quel genre d'ingénieur qui parle des affaires des femmes? Voilà. Ça, quand quelqu'un commence comme ça, il est complètement en dissonance cognitive. C'est quel genre d'ingénieur qui insulte les gens comme ça, hein? Il est ingénieur dans sa tête. C'est pas lui qui avait insulté les parties génitales de la maman du président là. Est-ce que ce n'est pas lui? Voilà, c'est ce genre d'argument. Quand on voit ça, on sait déjà que vous êtes maboule. Vous êtes complètement frappadingue, les gars. Dès qu'on voit ça écrit quelque part, dès que vous arrivez sur une page Congo, ça, vous voyez ce genre de commentaires, sachez que vous avez là en face de vous un spécimen courant au Cameroun, malheureusement, un abruti complètement ébouillanté du cerveau. C'est exactement ça. Comme le Cameroun est assez qualifié pour en produire. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour vous dire que vous avez l'incapacité de faire des distinctions. Vous êtes tout le temps derrière les faussaires, vous êtes tout le temps derrière les menteurs parce qu'ils vous ressemblent.
Et c'est pour ça que quand je suis calomnié sur les réseaux sociaux, même actuellement là, je voulais dire, on a démontré quand même que Miss McDonald, HLM Girl, c'est la plus grosse menteuse de la planète. Hein, en matière de gens que j'ai coffrés, Zoxon. Et je vous rappelle qu'à chaque fois pour coffrer, ces gens utilisent leurs éléments en fait. Hein. C'est les éléments que les gens présentent. Hein. Zoxon, je n'ai rien inventé. Zoxon a publié un décret prétendument pour prouver qu'il était fonctionnaire au ministère de la Justice. C'est avec ce décret. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui écrit le son. Pourquoi il n'y a pas de son? Non, il y a le son. Tu as un problème, Yola Spock. Zoxon avait publié un décret. Je vais vous montrer d'ailleurs le décret par lequel j'ai coincé Zoxon. En fait, pour démontrer que Zoxon était un petit éducateur de la PJJ, je n'ai pas eu besoin de chercher. Zoxon a publié un décret. Il a caché des informations, mais l'idiot ne savait pas qu'à partir du décret, à partir du numéro de décret, on peut savoir à quoi ça se rapporte. Ben, il suffit de prendre ça, d'aller taper sur Internet. Vous avez le décret entier. Vous voyez que ça concerne les petits éducateurs de la PJJ. C'est comme ça qu'on attrape Zoxon. C'est pas que j'ai enquêté sur Zoxon. J'ai pas enquêté sur lui. Je n'ai jamais enquêté sur personne. Jean-Daniel Messan. Vous croyez que comment je suis que c'était un menteur? Il a publié une fiche de paye en déclarant qu'il était banquier en Suisse. S'il fait le ménage dans une banque, c'est être banquier, alors peut-être qu'il a raison. Mais banquier, c'est un sens. Conseiller bancaire, machin, bidule. J'ai regardé toutes les professions de banque en Suisse. C'est vrai qu'il avait présenté un salaire de 5 700. Ça paraissait énorme pour les Camerounais qui vivent en France. Ils trouvaient que c'était gros. Ils ont raison. Parce que quand vous gagnez 5 700 euros, vous gagnez plus que 96% des Français. Quand vous gagnez 5 700 euros, vous gagnez plus que 96% des Français. Donc, quand Jean-Bernard Messon présente ça à l'écran, il dit, je travaille en Suisse, je suis banquier. Mais moi, je ne suis pas ces Camerounais-là. Je suis en France, je gagne ce salaire. Pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Mais pour moi, c'est quand même surprenant parce qu'à chaque fois que je suis appelé pour des projets en Suisse, on me propose du 130, 140 000 francs suisses. Donc, je me dis, un ingénieur, un banquier, c'est à peu près la même gamme. Donc, lui, il devrait être au moins dans ces prix-là, quoi. Comment ça se fait que quelqu'un me dise qu'il est banquier en Suisse? Il a 53 ans, comme 53 centimètres. 53 ans, et il est payé 5 700 balles. Il vient dire qu'il est bien payé. Non. Si c'est vrai, il est mal payé. Ou alors, il ment. Et c'est avec ça que je l'ai confondu. Je n'ai pas besoin de fouiner. Le problème, c'est que la différence entre vous et moi, c'est que quand quelqu'un présente un document, je l'interprète. Vous ne l'interprétez pas parce que vous êtes des chèvres. Je vous ai dit que la plupart d'entre vous, c'est des cochons. Vous, votre travail, c'est quoi? Vous allez simplement là. Vous me faites penser à la porcherie du village. Là. Je pense qu'il faudrait qu'un bon dessinateur me dessine ça là. Me fasse un bon dessin d'une porcherie de tchang. Comment ça sert de cabinet? Vous savez que la porcherie en contrebas d'une petite falaise, on aménage une plateforme au-dessus avec un trou au milieu comme un WC turc. Tu vas là-bas, tu te courbes. Ce qui sort va directement dans la bouche du cochon. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes les cochons de McDonald's Girl. Vous avalez ces conneries comme le cochon avalait la chiure quand on était au village. C'est ça votre travail. Vous allez là-bas, vous ouvrez vos gueules comme ça et vous chiez dans la gueule. Et c'est ça que vous venez balancer sur Internet comme des connaissances. Vous êtes ridicules, les mecs. Normalement, quand votre cerveau fonctionne normalement, une personne vous manque une fois, vous devez douter de tout le reste. Mais non, mais vous allez chercher le moyen de retomber sur vos pas. En cherchant quand même quelque chose de vrai. Menti, quand vous êtes honnête, vous ne mentez pas. Quand on prouve que vous avez menti une fois, on doit douter de tout. On doit douter de tout. On doit douter de Teodoro Obiangema. C'est le père de mon enfant. D'ailleurs, on a démontré que ce n'était pas vrai. Hein. Guylaine Chapuis, il y a quelques contacts. Et puis, les contacts que j'ai eus ont démontré assez rapidement que ce n'était pas vrai. Elle n'a aucun enfant avec ce type-là. C'est pour ça que je dis ici, là, devant McDonald's Girl, McDonald's HLM Girl, de me présenter une seule photo d'elle en train de mop Teodoro. Je dis bien mop, pas une photo, pas que tu l'as croisé à un anniversaire, tu étais aussi là par hasard, vous avez pris une photo, tu viens dire que c'est ton jour, nous on peut faire ça. Ben, si je fais ça, mon cher ami, je peux montrer un certain nombre de gésiers qui sont menga aussi, hein, que j'ai juste croisé comme ça à un certain nombre d'événements, elles étaient célèbres. Moi, je suis à partir à un événement organisé par mon entreprise. La comédienne qui était là, qui était invitée, c'était une grande star de l'époque. Elle a choisi une personne par hasard dans le public. C'est sur moi que c'est tombé. Mes collègues avaient immortalisé ça à l'époque. Je travaillais pour EDF. J'étais consultant chez EDF. Mais l'événement avait été organisé par Alten, qui était ma boîte de conseil de l'époque. C'était au palais à Porte-Maillot. Voilà. Donc, la meuf, c'est sur moi qu'elle est venue tomber. Pourtant, je n'étais ni au bout, ni devant. Elle a voulu prendre quelqu'un comme ça parmi les spectateurs par hasard, c'est tombé sur moi. Quand quelqu'un prend la photo correctement, je me filme, je dis c'est mon gars qui venait me faire un coucou. Quand elle était sucée, elle est venue faire un coucou au Joe. Je vous dis ça. Oh, on peut tout faire ça, les gars, on peut tout faire ça. Non, non, une photo de toi entre moi, d'accord? Parce que quand je dis que quelqu'un c'est manga, j'ai une photo de moi, ma bouche dans sa langue. Est-ce que je mens, Ségolène? Ségolène qui est un peu panier.
Si elle dit que je ne suis pas, je n'ai jamais été son Joe, il y a une photo de moi de l'embrasser. Donc c'est pour dire que quand tu es sorti avec quelqu'un, tu comprends? Tu as les preuves. Arrêtez vos conneries comme machin là. Tu as les preuves. Laissez ça. Laissez-nous ça. Donc montre-moi une photo de toi. Je vous dis, quand quelqu'un ment une fois, vous devez douter de tout. S'il vous dit il fait beau, allez vérifier, mon ami. Même parce que quand quelqu'un ment sur tout et n'importe quoi, elle peut vous mentir sur tout et n'importe quoi. Elle peut vous mentir sur tout et n'importe quoi. C'est très simple. Donc quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un vous ment une fois, vous devez tout vérifier. Tout, tout. Tout. Maintenant, vous arrivez quand même à essayer de trouver des voies pour essayer de tomber. Et vous êtes surpris que Bia fasse 42 ans. Non, mais les gars, votre cerveau mérite Paul Bia. Je vous dis sincèrement. Vous êtes le genre qu'on ne peut plus. Mais après Paul Bia, quelqu'un doit venir faire 75 ans direct. Moi, je vous propose un truc. Hein. Après Bia, hein, votez un gars de 20 ans, s'il vous plaît. Pour que le gars dure une fois 75 ans. Nous, on est habitués à des longues règles. Votez un gars de 75 ans. Après, bien, votez-moi un gars de 20 ans, pardon. Que le gars parte de là à 95 ans propre. Vous avez besoin d'être enculé tout le temps. Non, mais je dis, ça, c'est ce qu'elle vous dit. Je vous dis qu'on a des gens qui les connaissent, ce n'est pas vrai. Arrêtez ça. Quand tu regardes l'historique de sa vie, elle aurait un enfant avec Obiang Gema, elle n'aurait pas ces problèmes-là. Il faut arrêter ça, les gars, il faut arrêter. Elle n'a pas d'enfant. J'ai dit, encore une fois, je veux une photo d'elle avec lui. Je veux une photo d'elle. C'est elle qui a l'habitude de dire, montrez ceci, montrez les titres foncés, montrez. Elle est championne de demander ça, non? C'est elle qui est championne. Ben, alors, si vous y croyez, demandez-lui une photo. Si vous y croyez, si vous croyez à l'histoire de Teodoro Obiang Gema, montrez, demandez-lui qu'elle montre une photo de sa bouche dans la bouche d'Obiang Gema. Qu'elle montre. Arrêtez de croire sur parole. Quelqu'un qui vous ment sur tout, vous devez douter de tout. Vous croyez encore que c'est la fille de Mendoza? Les gars, vous devez même douter de ça. Quand vous allez voir les mensonges, les énormités là, mais vous allez comprendre les gars. Vous devez douter de tout. Vous devez douter de tout. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de rationnel. C'est que vous êtes débile. Il y a quelqu'un qui dit, j'attends toujours le débat sur la valeur de ton bien immobilier. Ben, tu vas attendre ça chez Marlène, mon ami. Tu vas attendre ça bien longtemps, mon coco. Tu vas attendre ça bien longtemps. Je tiens à rappeler, et je te bloque Richard Chaud, et je tiens à te rappeler que vérifier les biens immobiliers, tu regardes sur Internet, tu regardes la zone, tu regardes si c'est compatible ou pas. C'est pas toi qui vas décider que parce que tu as mon macabo, tous les logements qui ont la même surface que ma maison dans un secteur valent tant, mais parce que je n'aime pas Anango, ça passe, ça vaut le tiers et le tiers. Les gars, je ne discute pas des gens irrationnels. Tu es débile. Va faire tes enquêtes, tu viens publier. Tu dis, Serge Anango a dit que sa maison vaut tant. Sa maison vaut 160 mètres carrés, à peu près. Là-bas, le mètre carré, c'est tant. Donc, sa maison vaut grand max 150 000. En engouement, voilà comment on établit quelque chose. On ne vient pas discuter à deux balles. Tu crois que pour coffrer McDonald's Girl, je lui ai demandé de me donner des trucs. Elle a publié elle-même. J'ai interprété. Le séisme qu'elle a subi, elle fait déjà Kikinet dit. Non. Je sais que ton mari est un McDonald's boy. C'est toi qui m'as donné la preuve. Je ne l'ai pas inventé. C'est toi. McDonald Boy, c'est toi qui donne la preuve. Tu publies le document de succession, c'est écrit manager en restauration rapide. Manager en restauration rapide, ça veut dire quoi? Un manager, c'est simplement un serveur. Astrid, la scandaleuse, l'a très bien expliqué dans un excellent post qui est sur ma page. Hein, vous pouvez aller regarder la vie de Astrid, la scandaleuse. Elle a très bien expliqué. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas un diplôme pour être manager. Un manager, c'est juste un bon serveur qui a travaillé assez souvent, qui a de l'expérience. Donc, on le prend pour dire, tu vas coacher les autres serveurs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. N'importe quel Sénégalais qui parle mal avec des dents, avec un édenté Sénégalais qui est en France, qui ne sait même pas parler français, il suffit qu'il a fait le job pendant, je sais pas, 3-4 ans de façon satisfaisante, il passe manager. Manager en restauration rapide. C'est pas manager dans la haute restauration, manager en restauration rapide. Tu vas expliquer par quelle alchimie que non, il peut être ingénieur. J'ai vu des questions du type, mais McDonald's embauche des ingénieurs au siège social. Le siège social à Vigneur-Bretagne, connasse. Le siège social à Villiers-de-Bretagne. À Villiers-de-Bretagne, c'est là un endroit où on sait à quoi peut servir un ingénieur dans un McDonald's. Les seules fois où un ingénieur débarque là-bas, c'est pour dépanner, mais ce n'est même pas les ingénieurs qui vont. Pour dépanner les appareils, ce n'est pas les ingénieurs. J'ai vu souvent les gens qui disent, comme étant donné que l'une dans mes fonctions, je suis ingénieur frigoriste aussi, les mecs ils disent, je suis dépanneur de frigo. Si vous payez des gens comme moi pour dépanner un frigo, c'est que vous êtes débile. Moi, franchement, si un jour dépanner les frigos, c'est payer 40 000 euros, ah, j'arrête les bureaux.
Je m'en vais mettre ma main dans le cambouis. Mais si vous payez un gars comme moi pour dépanner le frigo, c'est que vous êtes givré de la cervelle. Parce que pour dépanner un frigo, on n'avait pas besoin d'un gars comme moi. Les gars comme nous, on se facture à 600 balles la journée. 600 balles la journée. Donc, je vous ramène ça au taux horaire. Et tu vas aller payer un gars comme moi pour dépanner un frigo, alors que tu peux payer quelqu'un à 100 balles la journée pour faire ça. Et tu vas aller payer un gars comme moi. Mais c'est que tu es débile, mon gars. Donc, vous vous confondez tout. Parce que vous n'êtes pas capable de faire des distinctions dans votre cerveau. Votre cerveau est incapable de faire des distinctions. Et de retenir bien ça. Qu'un cerveau qui ne sait pas faire la distinction est un cerveau malade. C'est un abruti. Et un cerveau qui essaye de trouver des situations où quelque chose peut être vrai, alors que ça vient d'un menteur invétéré, c'est quelqu'un qui est prêt à être menti à tout moment. C'est un cochon qui a la bouche comme ça ouverte dans notre porcherie. C'est-à-dire qu'il attend seulement qu'un enfant vienne verser sa part là-dedans. C'est ça, c'est-à-dire que toi, tu es comme ce cochon-là, qui est là comme ça en bas des toilettes. Tu attends juste que quelqu'un balance. C'est comme ça que tu es. Voilà. Donc, quand quelqu'un commence encore et dit, non, ils ont un enfant ensemble, ça, c'est sa version. Tu as l'ADN de l'enfant? Non. Tu as un test ADN? Tu as une reconnaissance du pater? Non. Comment tu vas avoir l'enfant avec le fils d'un président et tu ne mets pas son nom? Tu es sérieux? Mon ami, tu mets son nom rien que pour qu'on ne puisse pas nier que ce soit celui le pater. Tu vas pas prendre, tu vas pas dire j'ai un enfant avec, tu vas pas être Ségolène, tu as un enfant avec Tom Cruise et tu vas appeler l'enfant l'enfant. Tu as l'enfant Tom Cruise, mais tu vas l'appeler Cruise direct. Tu vas dire non, le père c'est Tom Cruise. Tu vas mettre qui s'appelle, je sais pas, Frank Cruise, j'en sais rien moi. Tu vas mettre son nom. Tu vas pas aller mettre un enfant. Parce que, mais attends, comment vous dites que c'est. Quand vous mettez le nom de l'enfant, ça crédibilise déjà vos déclarations quand vous allez en justice. Là, l'enfant avec un fils de président qui vient très souvent en Europe. Et vous êtes en train de galérer comme ça. Mais la justice va le forcer à payer, il est solvable. La justice française va le forcer à payer, il est solvable. Il est très solvable. Vous savez que s'il a une injonction dans n'importe quel pays d'Europe, c'est valable partout. Hein. Il ne peut pas arriver où il veut. Donc c'est pour ça que je vous dis que on dirait que vous êtes vraiment des cochons. Vous aimez vraiment être trompé en fait. Et c'est subjugant. Je vous dis, actuellement, vous n'avez pas la preuve qu'elle est la fille de Mendoza. Je vous dis, ça, c'est des trucs qu'on a cru. Comme moi, je vais vous dire, j'ai été crédule. Elle m'a dit, je vis à la bolle, j'ai cru comme vous tous. Elle m'a dit, mon Dieu, c'est un ingénieur, j'ai cru comme vous tous. Il n'y avait pas de raison de douter. Pourquoi? Parce que vivre à la bolle, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Pour que je doute d'une information, il faudrait que l'information soit extraordinaire par rapport à mes croyances. Une Camerounaise qui vit à la bolle, c'est pas extraordinaire. Qui plus est une Camerounaise que je considère ne pas spécialement être pauvre, c'est pas extraordinaire. Donc elle me dit, je viens à la bolle, oui. Elle me dit, mon mari est ingénieur, est-ce qu'être ingénieur, c'est extraordinaire? C'est pour les abrutis de Facebook qu'être ingénieur, c'est tellement extraordinaire que c'est la première chose qu'il dit. Mouf, il est ingénieur dans cette... Comme si c'était extraordinaire d'être un ingénieur. Comme si c'était la magie, quoi. Comme si un ingénieur, c'était un objet tellement rare que je faisais... C'est comme si je faisais l'affirmation que je peux aller sur la lune à pied. Pour eux, c'est comme ça, en fait. Non, c'est pas extraordinaire d'être un ingénieur, c'est très courant. C'est juste qu'on n'est pas les mêmes milieux. On n'a pas les mêmes milieux, par exemple. Déjà, dans ma famille, on est trois. Mais rien que des enfants qui sont sortis du ventre de ma mère, on est trois. Voilà. Dans ma famille, j'étends ma famille à mes cousins. Ben, on est peut-être 7 ou 8 dans ma famille. Rien que j'ai dans ma famille. Hein, dans ma famille. C'est rien que dans ma famille. En étendant à mes cousins, on est 7 ou 8 dans ma famille. Si je prends ceux qui sont encore en train de faire des études d'ingénierie, ben, je vous garantis que d'ici 10 ans, dans ma famille, il n'y aura que ça en fait. J'ai l'impression qu'il n'y aura que ça. Parce que j'ai quasiment tiré tout le monde. Hein. Je suis dans ma famille réduite, je suis le premier ingénieur. Dans ma famille, je suis le premier. Donc oui, j'ai un peu tiré tout le monde. Tout le monde a commencé à dire, je vais aller à l'école pour faire comme tonton Serge. Tout le monde a fait ça. Même mon petit neveu là qui s'appelle Serge, comme moi qui est allé au Canada l'autre jour, il m'a demandé l'autre jour, tonton, tu as redoublé quelle classe dans ta vie? Bah, j'ai dit la cinquième. Il me dit, d'accord, ça veut dire que j'ai moyen de te dépasser. J'ai dit, comment ça? Il me dit, en ne redoublant pas une classe. Parce que tu es tellement fort que je me demande comment je vais faire pour te dépasser toi. Mais je cherchais un truc que si je réussis, je vais te dépasser. Et le truc qu'il a trouvé, c'est de dire qu'il fait toute sa scolarité sans redoubler une classe. Tu crois que le petit là, il a envie d'être vendeur d'eau glacée? Il a son père, son tonton, le grand frère de sa mère, ingénieur. Le grand frère de sa mère, ingénieur. Le petit frère de sa mère, ingénieur. Malheureusement, l'autre petit frère de sa mère qui avait un MBA aussi, pareil, mort. Ben voilà, mais on était tous. Tu crois qu'il a envie d'aller vendre l'eau glacée? C'est vous, parce que vous avez que vos tontons, c'est les Ducamère, c'est les, je sais pas, c'est les Ducamère, c'est les McDonald's Girls. Voilà. Vous pensez que c'est ça un homme normal. Si bien que quand, oui, vous avez l'habitude des gars qui disent, je gagne 1300 balles par mois. Pour les gars pour qui 1000 euros, c'est énorme. Ils peuvent pas faire un chèque comme ça de 1000 balles pour donner à quelqu'un. C'est énorme pour eux. C'est énorme. C'est juste énormissime. Parce qu'on n'est pas le bon milieu. On n'est pas le bon milieu, les gars.
Je vais vous montrer, par exemple, que j'ai un ami avocat qui a eu quelques problèmes par le passé. Je ne vais pas vous montrer son nom, bien sûr, parce que discrétion oblige. Ce que vous pensez, pour dire, vous n'êtes pas capable. Je vais vous montrer. Voilà. Tac, tac, tac. Quand est-ce qu'il m'a mis ça? Putain, est-ce que j'ai ça? Est-ce que je l'ai? Voilà. Donc, je vous montre le message. Donc, vous ne pouvez pas voir le nom de la personne. Regardez, c'est un ami avocat. Voilà, qui me demandait de l'aide. Il a besoin de 800 balles pour pouvoir retrouver son travail. Parce qu'il avait eu un souci, il a été endetté, donc il a remboursé la dette. Et il avait envie de retrouver son travail. Et il lui fallait payer 800 balles. Il me disait, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux... Bah, je lui ai dit, viens. Je lui ai dit, viens, il n'y a pas de problème. Il m'a écrit hier, c'est par texto, ce n'est pas par WhatsApp qu'il me l'a envoyé. Il m'a écrit hier pour dire, il a recommencé le travail. Voilà. Donc il est venu me voir. Il fallait qu'il paye un truc sur le truc d'ordre des avocats de Paris là. Il fallait qu'il paye 800 euros avec sa carte. Il est venu me voir, j'étais en télétravail, il est venu là. On a chouqué ma carte et on a payé les 800 balles. Voilà, vous vivez dans un milieu où pour vous 800 euros c'est votre salaire. Vous ne pouvez pas imaginer que vous délestez les 800 euros pour dépanner quelqu'un. C'est tellement extraordinaire pour vous que quand quelqu'un dit ça, oui, vous avez la réaction de rater, de frustrer, de givrer de la cervelle quoi. Changez juste de milieu. Non monsieur. Être ingénieur, ce n'est pas extraordinaire. Donc, arrêtez de croire qu'être un ingénieur, c'est extraordinaire. D'accord? Donc, quand une dame, pour vous dire que je me suis moi-même fait avoir par Marlène, parce qu'elle me dit, mon mari ingénieur, ce n'est pas extraordinaire, je n'ai aucune raison de douter. Je ne sais pas, c'est comme si Kigali Labelle me dit, j'ai mangé un McDo ce midi. Pourquoi je vais lui demander de publier le ticket du McDo? Ce n'est pas une affirmation extraordinaire. Donc, elle n'a pas besoin de preuves. Elle n'a pas besoin de preuves pour ça. Elle me dit, j'ai mangé un McDo ce midi. C'est pas extraordinaire. Donc, oui, ok, voilà. Si elle me dit, par exemple, mon chien a envoyé un email ce matin, c'est pas la même chose. Là, je vais lui demander des preuves. Un chien qui envoie des emails, c'est extraordinaire. Si Kigali Labelle me dit, mon petit frère fait des études d'ingénierie en mécanique, je vais pas lui demander d'aller me publier le diplôme de son. Je vais pas lui demander le certificat de scolarité de son petit frère. C'est pas extraordinaire. Quand vous avez des mamans ici qui disent, mon fils est avocat, je vais lui demander quoi? De me publier la preuve que son fils est avocat? C'est pas extraordinaire. Mais dans la tête d'un des cervelés, move, ton fils est avocat dans sa tête, hein? Prouve qu'il est avocat, montre-moi son certificat, son attestation professionnelle ou je ne sais pas quoi, là. Montre-moi ça, sa carte professionnelle. Voilà comment les gens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des milieux pauvres, dans des milieux d'abrutis, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils vont te demander une preuve pour un truc qui est ordinaire. Vous aurez voulu quoi? Que le jour où Marlène me dit, je vis à la bolle, je demande sa taxe foncière le jour-là. Vous aurez voulu qu'à Nantes, là, elle me dise, je vis à la bolle. Je dis, prouve-moi dans ta taxe foncière. Pour moi, ce n'était pas extraordinaire. Mon mari est ingénieur, il travaille à Lille. Et plus tard, sur Internet, elle a dit qu'il allait souvent sur des projets à Nice. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Absolument rien. Pourquoi je lui ai demandé une telle preuve? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, que je découvre qu'elle ment. Maintenant, je doute de tout ce qu'elle me dit, puisqu'elle peut mentir sur des choses qui n'ont aucun sens. Elle peut mentir sur tout. Une personne qui est capable de te montrer un virement, une capture d'écran d'un compte bancaire, elle te présente un virement reçu comme un virement qu'elle a émis à sa fille. C'est marqué plus 333. Donc, c'est un virement que son compte reçoit. Elle vous dit, voilà le virement que j'ai envoyé à ma fille. Les gars. Une personne qui vous explique que non, il ne peut pas y avoir de rejet de prélèvement sur son compte parce que son compte a 9000 euros. Confond un versement de 9000 euros qui est intervenu après le rejet avec le solde du compte. Voilà le genre de personne à qui vous voulez donner crédit. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le solde du compte et un virement reçu. Oui, sur cette capture d'écran, on voit un virement reçu du notaire. On sent vraiment que la mort de ton beau-père t'a sauvé. Parce que tous les virements que tu présentes là depuis la capture d'écran sont relatifs à la mort de ton beau-père. La mort de ton beau-père t'a sauvé. Je me demandais, mais comment ça s'est fait? Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'est normal, vu ton statut, il n'y a que dans cette période-là que tu as eu des vrais virements. Parce qu'avant, tu étais une fraudeuse. On a placé tes enfants. On a placé, hein. Retenez bien, les gars. Ces enfants ont été placés. Et je vais vous apporter la preuve. Elle ne vous l'a jamais dit. Parce qu'elle était jugée irresponsable. On a placé ses enfants. Donc, ceux qui vivent en France comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le social, pendant un certain temps, qui s'est occupé de ses enfants, de ses trois enfants. C'est le social.
il s'en est occupé. Parce qu'elle était jugée irresponsable. Elle vous a jamais dit ça. Elle vous a jamais dit ça. On va voir la preuve. Vous croyez que je vous balance des phrases comme ça? Elle le sait. On a placé ses enfants. Et c'est ce genre de personnes que vous prenez au sérieux aujourd'hui. Vous devez douter de tout, mon ami. Vous devez douter de tout. Elle vous dit, il fait beau, ouvrez la fenêtre pour regarder s'il fait beau. Elle dit, il pleut. Tant que tu n'as pas vu toi-même, tu dois douter, mon ami. Une personne qui manque sur tout comme ça, vous devez douter. À ce niveau, ce n'est plus elle le problème. Elle, c'est pathologique, il n'y a pas de problème. Mais vous, quand vous continuez à gober ce genre de conneries, c'est là où je suis inquiet pour le Cameroun. Je vous dis sincèrement, moi je vous ai dit l'autre jour que je n'avais plus besoin de tirer sur elle. C'est vrai. Ce n'est plus elle qui m'intéresse. Elle est à terre pour moi. J'ai fait le job. Quand je la vois se débattre, ça correspond à ce à quoi je m'attendais. Donc il n'y a pas de surprise. C'est pour ça, j'ai envie de la voir se débattre comme ça pendant des années. Qu'elle fasse des lives tous les jours. J'ai besoin de ça. Il faut qu'elle fasse ça. Elle va se débattre là-bas. Elle doit se débattre là-bas. Ça ne me regarde plus. Mais c'est vous, les couillons, qui parfois par givrologie mentale, essayez de mettre sur le même plan ce que moi je suis. Je vis avec mes enfants, je m'en occupe, mon ami. Je ne touche pas les aides de mes enfants pour aller faire autre chose avec. Elle a reçu les aides pendant des années. Elle a déposé ses enfants chez sa tante. Elle est partie au Cameroun faire la Java. Et elle faisait la Java au Cameroun avec quoi? Quand vous avez 3 enfants, vous recevez à peu près 1 000 euros de prestations sociales quand vous n'êtes pas en activité. Donc vous faites comme si vous êtes en activité. Vous allez au Cameroun. Vous vivez là-bas avec l'argent que la CAF vous verse tous les mois. Elle recevait à peu près 900 euros de CAF. Et vu qu'elle était en situation irrégulière, vous pouvez rajouter à ça le RSA. Donc la meuf touchait presque 1400 euros tous les mois, alors qu'elle ne vivait pas en France. 1400 euros qui servaient à l'éducation de ses enfants. Elle vivait au Cameroun. Elle abandonnait son enfant à sa tante à qui elle n'envoyait rien. Donc l'argent que l'État donnait, servait à cette nana pour vivre au Cameroun, pour cela jouer grande. Faire comme si... C'est normal, tu ouvres un petit bureau au Cameroun, ça ne te rapporte strictement rien. Tous les jours, tu te filmes là-bas, tu fais semblant de travailler, mais en réalité, tes revenus, c'était l'argent de la CAF en France, connasse. C'était ça. Quand quelqu'un vient ici se vanter que oui, mon mari a donné l'argent aux associations, que si quelqu'un a les moyens de donner 86 000 euros à une association, est-ce que c'est quelqu'un qui peut dans le besoin? Sauf que tu oublies d'expliquer que là, il y a presque un risque de conflit d'intérêts, ma cocotte. Il n'a pas déposé à n'importe quelle association. Il a déposé à une association de sa femme qui est sans activité. Allez demander à Marlène combien de repas a-t-elle servi aux immigrés. Parce que je peux vous montrer hein, son attestation, son truc là est censé, c'est pour, attendez. Vous allez voir que l'association Les Ailes de l'Afrique, la vocation c'est de distribuer les repas aux migrants. Donc la meuf, elle a exploité la misère des migrants. Elle a exploité la misère des migrants pour son compte. Regardez bien les amis, ça c'est le reçu du versement des 86 000 euros. Les Ailes de l'Afrique, boulevard Saint-Aignan, Nantes, distribution gratuite des repas aux migrants, enseigner la langue française, soutien multiforme aux personnes victimes de violences. Voilà, donc, association, regardez la croix ici. Donc, ce n'est pas une société en fait, hein. Ce n'est pas une société qui produit de l'argent, puisque en 2022, c'est catégorisé comme une association fournissant gratuitement aide alimentaire et soins médicaux aux personnes en difficulté ou favorisant leur logement. Voilà, voilà ce qui est écrit. Donc, voilà l'association des Ailes de l'Afrique. Donc, l'autre jour, je l'ai entendu dire à Patricia Gemel que c'était une société en fait. Voilà. Donc, sachez que les associations reçoivent aussi des avis d'impôts. Elles sont juste exonérées d'impôts. Or, elle a fait par un jeu de passe-passe, parce qu'elle savait qu'elle avait affaire à une cruche comme elle. Elle a dit, est-ce que les associations payent? L'autre ne savait pas répondre. Oui, une association paye, connasse. Vous croyez qu'un club de NBA, c'est quoi? Les clubs de foot, la plupart des clubs de foot en France sont des associations, madame. Tu ne sais peut-être pas. Pour quelqu'un qui a fait le foot toute sa vie, tu ne sais pas que la plupart des clubs de foot, c'est des associations? Tu ne sais pas ça. Les clubs de foot ne sont pas spécialement des sociétés, hein. C'est des associations. Si je tape par exemple AS Saint-Etienne, là, AS Saint-Etienne, ça donne quoi?
C'est quoi là? Association sportive de Saint-Étienne. AS Saint-Étienne, c'est l'association sportive. Que signifie le A dans NBA? Que signifie le A dans NBA? Que non, voilà comment elle vous fait à chaque fois. Elle vous amène dans un tunnel pour vous expliquer que c'est comme ça alors que la vérité est par là. Non, 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 les associations ne payent pas les impôts. Donc, si j'ai reçu ma fiche de déclaration des impôts, c'est que c'est une société. Mec, tu as reçu 86 000 balles en disant que c'était une association connasse. Cette association avait comme objectif de distribuer des repas aux migrants. De distribuer des repas aux migrants. Alors, donne-moi les photos de toi en train de distribuer des repas aux migrants en France. Parce qu'il n'y a pas de migrants au Cameroun. Tu es parti faire 2 ans au Cameroun. Donne-moi les photos de toi en train de distribuer la nourriture aux enfants. Donc, toi, quand tu es follower de la brutie, là, toi le connard qui me regarde. Oui, toi, le givré de la cervelle qui me regarde. Pour que toi, tu ouvres ta gueule pour qu'elle te chie dedans, là. Demande-lui. Au fait, je veux bien te soutenir. Je déteste Kikinette. Je veux bien être contre Kikinette. Parce que lui, le gars-là, il m'énerve. Il m'énerve vraiment que c'est tellement insupportable qu'il ait raison. Hein? Mais je veux quand même juste, s'il te plaît, à moi, Zang. Pardon. Hein, je veux juste une photo de toi en train de distribuer la nourriture à des, à des migrants. Montre-moi juste ça pour que j'aille l'insulter avec. Je veux une photo de toi avec Théodoro Biangema. Vraiment, parce que ce Kikinette là, il m'énerve. Si j'ai juste ça, je vais lui fermer le bec. Voilà. Si j'ai juste ça, je lui ferme le bec. Voilà. Allez, vous soutenez, non? Demandez-lui. C'est écrit, non? Vous avez vu sur la feuille, non? C'est moi qui ai écrit. C'est écrit sur la feuille. C'est écrit sur la feuille. Voilà comment quelqu'un escroque et fraude. Donc, joue avec la misère des gens. Les migrants, c'est des gens miséreux. Elle joue avec la misère. Elle a pas un tour de passe-passe. Elle prétend que non. Son mari, il est trop, c'est pour ça qu'il a donné une association. Non, il n'a pas donné une association quelconque. Il fallait qu'il a donné ça à la Abbé Pierre ou à Emmaüs. Il fallait aller donner ça à Emmaüs. Non, non, c'est pas ça. C'était pas le but. Le but, c'était pas d'aider les migrants. Hein? Vous le savez tous, les Camerounais, vous faites tous comme si vous ne le saviez pas. Vous faites comme si vous êtes devenu timbré. Vous faites comme si le Camerounais est devenu tellement intègre que, non, un soupçon dans ce sens-là, c'est incroyable. Vous faites tout pour éviter. Donc, j'ai vu des gens venir sur ma page dire, Serge, comment tu peux dire quoi? Hein? Par exemple, si quelqu'un donne de l'argent à une association, c'est qu'au moins il a le triple. Les seuls documents de l'héritage qu'elle a, c'est l'héritage où on partage les 100 000. Il n'y a pas autre chose, les amis. Vous avez autre chose? Elles n'ont pas reçu plus de 100 000 d'héritage avec tous les impôts et tout. Le mec aurait empoché maximum 66 000. Parce que là, on a les taxes de droit à la succession. Après, il y a les impôts derrière. Hein. Il y a une partie qui est ponctionnée automatiquement. C'est pour ça qu'on est passé de 101 000 à 86 000. Et tu as les frais de notaire aussi. Tu as tout ça là-dedans, mon ami. Tu as tout ça là-dedans. À côté de ça, tu as peut-être aussi des dettes. Parce que quand vous êtes endetté et que vous avez de l'argent comme ça, qui rend les créanciers, se servent d'abord. C'est ce qui explique le passage entre 100 000, 101 000 et 86 000. Il y a plusieurs raisons pour passer de 101 000 à 86 000. Peut-être le gars était déjà endetté que quand l'argent arrivait, les créanciers sont d'abord servis. Les créanciers d'abord disent non, attendez les gars, calmez-vous. Le mec, ça, il me doit 15 000, donc emboulez les yotas, donnez-moi les 15 000 là, voilà. Le compte, il y avait une saisie dedans et tu ne pouvais passer que par le compte. Donc, tac, on a bloqué la saisie là pour les créanciers. Et il était à découvert de je ne sais pas combien. On a bloqué, vous allez d'ailleurs remarquer. Vous remarquerez d'abord que la Miss McDonald Girl, pourquoi elle n'a pas eu de carte de séjour pendant longtemps d'après vous? Alors qu'une carte de séjour, quand vous êtes parent d'un enfant français, c'est un droit automatique. Automatique. Pendant longtemps, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas qu'elle ait autant de difficultés à avoir une carte de séjour. Ça vient de son passé de fraudeuse. Elle doit énormément d'argent à l'État français. Énormément d'argent. À tel point qu'à un moment donné, pour se couvrir, elle a accusé sa propre mère. Elle est partie porter plainte à sa mère. Là, dans l'histoire de fraude là, des enfants, là, où elle touchait les allocations des enfants pour vivre au pays. Elle a fait ça pendant presque 2 ans. Rendez-vous compte. On est sur un préjudice d'environ 15 000 euros de l'État français. Pour échapper à ça, elle a dit que c'est sa mère qui faisait. Que l'argent était déposé dans le compte de sa fille et sa mère allait puiser l'argent. Elle a accusé sa propre mère. Sa mère a contesté. Je vais vous épargner les documents de sa mère parce que ce n'est pas l'objet ici de mélanger sa mère n'y est pour rien. Sa mère ne lui parle même pas. Pour elle, c'est sa mère. Pour sa mère, c'est une tarée, c'est une perdue. Voilà le genre de personnes que vous prenez comme des références intellectuelles sur Internet. Hein? Voilà des personnes que vous prenez comme des références intellectuelles. C'est ça que vous appelez docteur. On vient chez toi nous éclairer. Oh, vraiment, docteur. Ils vont essayer de te salir. Ça n'atteindra pas ta pertinence et ta grandeur.
J'ai dit que votez-moi un gars qui a 20 ans la prochaine fois. Le mec, il doit faire 75 ans au pouvoir. C'est pas normal. On doit baisser l'âge de... Vous êtes tellement des pigeons que on doit vous enculer à vie. On doit vous enculer à vie. Vous arrivez encore à appeler ça docteur. Docteur sur la base de quoi? Même ses diplômes, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle de ses diplômes, les gars? Vous voulez qu'on en parle de ses diplômes? Qui manque, c'est tout. Voilà. DSS Marketing. Truc à l'ENACO. C'est quoi ça? On est en quelle année d'ailleurs, là, pour cette affaire? 2009. Voilà. 2009, elle est inscrite en formation. Hein. Le DES, c'est l'équivalent du... Je crois c'est du... DESS, c'est l'équivalent de Bac plus 2, il me semble. Hein. Diplôme d'études supérieures spécialisées. Quel est le niveau d'un DESS? Niveau... quel est l'équivalent du DESS? Voilà. L'équivalent du DESS. On est... Tac, c'était le classement 6. Voilà, c'est une maîtrise. C'est un bac, c'est un master 1. Ça veut dire qu'elle s'est inscrite à l'ENACO avec une licence 1. Voilà, on a l'année d'inscription à l'ENACO. Je sais pas, quand est-ce qu'elle a eu le diplôme là? Ça, c'est un truc de cours à distance. Donc, c'est à l'époque où elle était en train de faire les allers-retours entre le Cameroun et la France, en escroquant à gauche, à droite. Vous allez voir quand je vais vous présenter les pièces à conviction. Donc, DESS Marketing, 750 heures pour quelqu'un qui vient se présenter comme juriste. Donc, continuons. Alors. Donc, la meuf, en 2022, je vois un extrait là où on dit... L'écrivaine camerounaise explique à la jeune génération, notamment les jeunes filles, les bienfaits de la simplicité du mariage. Bah oui, bravo. Hein. On a vu comment tu appliques la simplicité du mariage. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est drôle, cet enfant. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Puis, alors, donc si on regarde sa page Wikipédia, d'un diplôme d'études supérieures de marketing à Enacolil. Voilà. Donc, il n'est même pas marqué qu'elle a un doctorat. C'est-à-dire que même sur Wikipédia, c'est marqué que elle a un diplôme. On n'a pas vu le diplôme, on a vu l'inscription. On ne sait même pas si tu as fini. Donc, tu devras publier ton diplôme. C'est bien de demander les diplômes des gens, mais faut demander les diplômes des gens quand c'est sujet à doute. D'accord? Donc, le DESS est un diplôme européen de la Fédération européenne des écoles. Hein, c'est la suite logique du BTS Management Unité Commerciale. Voilà. Quand tu as passé un BTS à Management Unité Commerciale, tu t'inscris en cursus DESS et rien ne dit qu'elle a fini son DESS. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle a un niveau licence. Voilà. Et on appelle ça. Attends, j'espère que je ne me plante pas là. On a diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Attends, c'est quoi là le truc à l'ENACO là? Attends. Ah, mais attendez les gars, je confonds. Oh, je suis idiot. J'ai tapé DESS, j'étais en train de chercher DESS. C'est le DESS qui est marketing. Mais non, le truc sur l'ENACO, c'est DEES. Hein? Rien à voir, les gars. Désolé, les amis. De temps en temps, parfois, je me plante moi-même. Si vous regardez là, DESS marketing. Hein? Regardez bien, DESS marketing. Voilà. Désolé, oui. Je retire. Même la licence, elle n'a pas. Pardon. C'est DEES. Et alors, le DEES, mes chers amis... C'est un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc, c'est l'équivalent de Bac plus 3. Donc, quand elle s'inscrit là-bas, c'est en cursus Bac plus 3. Donc, elle n'a même pas la licence parce que si elle avait la licence, elle aurait pu s'inscrire dans un cursus de marketing à l'ENACO. Elle n'a même pas la licence. Diplôme d'état d'éducateur spécialisé, il s'agit d'un diplôme de niveau Bac plus 3 obligatoire pour exercer le métier d'éducateur spécialisé en France. Donc, en fait, je ne sais même pas si elle a fini. Mais si elle a fini, ça, elle peut au moins travailler dans une école. Elle peut work dans une école. Voilà, c'est un diplôme de merde. Voilà, désolé, hein, je me suis planté. J'ai failli vous induire en erreur. Non, elle n'a pas la licence. Vous avez tout à fait raison. Pour devenir éducateur spécialisé sans condition, en fait, il faut juste avoir le bac. Voilà, c'est les mêmes gens comme Zoxon. Ça dit que on a Zoxon, qui est un petit éducateur de la PJJ, et on a McDonald's HLM Girl, qui est une éducatrice spécialisée. Voilà les deux là, en fait. Voilà les deux là. Oui, taguez-moi Samuel Eto'o. Pas de problème. C'est les mêmes genres de diplômes VPN. Tu as vu comme moi. C'est les mêmes genres de diplômes. C'est les mêmes genres comme Zoxon. Donc, je remercie la personne qui m'a transmis ces éléments.
ma foi, très utile à l'analyse, quoi. Oui, oui, c'est les mêmes genres que Zoxon, c'est la même, c'est... Ah là là, ils sont très drôles. Et d'ailleurs, parlant de mon ami Zoxon, que j'adore, je fais un coucou à mon frère Zoxon. Zoxon, il n'y a pas rancune. Le procureur, il doit faire son travail. Tu es faux, on doit te traquer, mon cher Zoxon. J'y peux rien, hein. J'y peux rien, d'accord. C'est juste que voilà, je fais mon job, voilà. C'est mon job. Donc, rappelez-vous que Zoxon savait ça, qu'il a été confondu. Ça, c'est le document que Zoxon avait présenté pour se la jouer. Zoxon nous avait présenté ça pour se la jouer, grand juriste. Hein. Donc, il a montré, en tête du ministère de la Justice, il a montré les décrets. Il a caché tout ce qui pouvait permettre de retrouver sa profession. Observez bien, hein, portant statut particulier du corps des. Il a caché parce que il voulait mentir sa profession. Ouais, non. C'était ça, Zoxon. Mais Zoxon est débile. Parce que, avec le numéro des décrets, avec l'arrêté, c'est facile de retrouver le décret en entier. Et le décret en entier, hein, attendez, je vous montre le décret en entier, je sais même pas si j'ai le nom, c'est dans mon téléphone. Je vous aurai montré le décret en entier. Le décret en entier, donc, sa profession, qui est donc, il est un petit éducateur de la PJJ. Voilà. Donc, ça avait les mêmes choses. Pour vous dire que la plupart des gens que j'ai confondus, je n'ai jamais eu besoin d'aller fouiner dans la vie des gens. Hein. C'est tout, hein. J'ai pas eu besoin d'aller fouiner dans la vie des gens. Ils ont juste balancé des éléments que j'ai su interpréter. Voilà. Pour un abruti, Zoxon aurait balancé ça, ça aurait été la preuve qu'il est haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Voilà. Pour un abruti de base, c'était largement suffisant pour après venir dire, mouf, Anango, hein, tu es qui? Tu n'es rien. Il a prouvé qu'il est au ministère de la Justice. Montre ta part, hein. Tu peux travailler au ministère de la Justice comme lui. C'était suffisant pour que les gens viennent commencer à m'attaquer. Sauf qu'avec ça, vous interprétez, là, vous prenez ça, vous allez sur Internet, vous cherchez le décret, blablabla, blablabla, vous retrouvez tout ce qu'il a caché là. Donc, Zoxon n'a pas été malin sur ce coup. Et donc, c'est avec ça que j'ai trouvé sa fonction et il ne pouvait pas nier. Et la réaction de Zoxon, c'était d'aller me porter plainte. Tu vas porter plainte de quoi, Zoxon? Tu allais porter plainte que j'ai trahi ta profession? Que tu cachais ta profession en te faisant passer pour un haut fonctionnaire au ministère de la Justice qui bosse place Vendôme alors que tu n'es qu'un petit éducateur qui accompagne les voyous? Tu vas aller me porter plainte parce que j'ai révélé la réalité? T'es sérieux? Donc, allons-y. Donc ça, regardez, vous voyez, vous avez un document là, commandement de payer des loyers, d'accord? Il s'agit ici d'un huissier de justice, d'accord? Huissier de justice, vous voyez bien, hein? Non. Si vous voyez pas bien, dites-moi. Donc on commence à la partie où je présente les éléments. Donc si vous voyez pas bien, n'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'est un huissier de justice. Commandement de payer des loyers visant clause résolutoire. 30. Donc en l'an 2012, Philippe Doucet, Sophie Bloudot-Leroux, Caroline Aubert, blablabla, Antoine Deville, huissier de justice associé, société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice auprès du tribunal de grande instance de Nantes, ayant pour siège deux quais de Tourville, sous-signé à Madame McDonald Girl, Cady Marlène, née McDonald HLM Girl, pardon, McDonald HLM Girl, née le 8 juin 1982 à Djoum, au Cameroun, de nationalité camerounaise, domiciliée 6 allées des Peupliers. Donc, à l'époque, elle habitait là-bas. Elle a dit plusieurs fois qu'elle a vécu à 6 allées des Peupliers. Donc, domiciliée aux 6 allées des Peupliers, deuxième étage, 44 300 Nantes. Pour qui la copie du présent a été remise comme indiquée au procès verbal de signification ci-après annexé. À la demande de monsieur Skourzik, donc c'est un Breton, hein, qui vit dans le Morbihan, qui réclame des loyers impayés, hein, donc de nationalité française, gestionnaire domicilié, 3 rues de Chevet, de Chevant à Nantes. Voilà, c'est un Breton. Alors, en vertu d'un bail d'habitation sous signature privée en date du 17 novembre 2009, je vous fais commandement de payer immédiatement les sommes ci-dessous détaillées. Voilà. Loyer et charges impayées de décembre 2011 à avril 2012 sous décompte ci annexé. Donc, pendant presque 5 mois, McDonald Girl a vécu dans un logement sans rien payer. Donc, elle doit 3900 balles. Voilà. Donc, elle est partie louer un appartement qu'elle ne pouvait pas payer. Vous voyez? 3900 balles. Donc, si on a 5 mois, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, ça fait 5 mois. Donc, vous divisez par 5. Hein, vous avez à peu près 800 balles le loyer.
régulariser les charges de 2010-2011. Donc, elle a des loyers, elle a des charges de 2010 et 2011 qu'elle n'a pas payées, 53 euros. Qu'elle a une clause pénale de 10% sur ce qu'elle doit, c'est-à-dire 396 euros. Et le coût du présent acte, bien sûr, puisque à cause de ton impayé, le mec a été obligé d'aller chez l'huissier. Donc, demande à McDonald Girl, alias Milliardaire Boy, de rembourser 4525 euros. Voilà. Dû au titre, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous voyez déjà qu'on est en 2012. McDonald Girl, en matière de loyer impayé, elle n'est pas à son coup d'essai quand elle a floué la nana du Cameroun. Elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas à son premier coup d'essai. Quand elle a floué tous les Camerounais, quand elle a floué la dame au Cameroun, c'était pas un essai. Non, non, c'était une dame expérimentée. Hein? Expérimentée. Continuons, mes chers amis. Ici, là, alors, on dit, voilà. Donc, vous avez ici, là, un problème, en fait, avec les enfants. Donc, alors, je sais pas, je crois que j'ai pas mis ça dans l'ordre. Voilà. Ça, voilà. Là, c'est un document qui date de mai 2013. Le juge des enfants auprès du tribunal. Donc ça, c'est le document concernant ces enfants, en fait. D'accord? Le juge des enfants auprès du tribunal de grande instance de Nantes, statuant à la chambre de conseil assistée de Virginie Guidez, greffier, vu les articles 375-9 du Code civil 1181 à 1201 du nouveau Code de procédure civile relative à l'assistance éducative, vu la procédure assistance éducative suivie à l'égard de Akumba Sintiane le 18 octobre 2000 à Yaoundé, Loïc Mendo le 6 novembre 2003 à Yaoundé, Élise Ekotor le 8 novembre 2006 à Yaoundé, dont la mère est McDonald HLM Girl alias Marlène. Elle avait abandonné, dont la mère est tatata, et dont la tante chez laquelle Cynthia réside est Madame Armel Aka, au 6 rue des Peupliers, chez Madame Mvoutou. Donc, ça veut dire qu'elle avait sa tante, elle avait abandonné sa tante chez elle avec des enfants, et elle s'est barrée au Cameroun. Voilà. Vu la requête du 5 avril 2013, vu le procès verbal, blablabla, le juge des enfants a été saisi de la situation de Cynthia, Loïc et Élise pour requête en date du 5 avril 2013. Madame McDonald HLM Girl était alors répartie au Cameroun et les enfants étaient à la charge de la jeune tante Armel Annick Aka. Une aide éducative à domicile avait été précédemment mise en place, mais avait été sans effet compte tenu du départ de Madame McDonald HLM Girl. Et alors que le juge des enfants a été saisi en 2009, et en 2011, suite à des départs de madame au Cameroun, les enfants avaient alors fait l'objet de placements. Les enfants ont été placés de 2009 à 2011. Attendu qu'il ressort de l'audience que Loïc, Élic et Élise sont depuis fin du mois de mars retournés au Cameroun avec leur mère, qu'il convient les concernant d'ordonner un non-lieu d'assistance éducative, c'est-à-dire qu'ici, on en, ça c'est le courrier pour déplacer les enfants. Les enfants avaient été placés en assistante. C'est avec ce courrier qu'on autorisait encore les enfants à aller avec la mère parce qu'elle était partie au Cameroun. Attendu que Cynthia devait aussi rejoindre sa mère, mais qu'en raison d'une intervention chirurgicale et des soins, elle n'a pas pu aller avec eux, que sa situation personnelle dans ce contexte paraît complexe, même si elle estime être habituée à ce fonctionnement. Donc, vous avez un enfant qui dit « Je suis habitué à ce que ma mère nous abandonne. Hein. » C'est ce que l'enfant dit, quoi. Voilà. C'est ce que l'enfant dit. Donc, l'enfant dit « Je suis habitué. » On est quand même autre chose. Hein. Donc, c'était quand même bien d'aller attaquer les enfants de Modestine. Je rappelle que Modestine, qui a eu son enfant dans des conditions terribles, en a fait une bête, hein, un cheval de course. Hein. L'enfant de Modestine, c'est un cheval de course. Elle a élevé son enfant tout seul, sans avoir à aller escroquer un papa, quoi. Voilà. Et c'était ce genre de... Voilà donc le détritus qui venait attaquer Modestine sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, faites attention aux gens que vous prenez comme des références. Donc voilà dans la suite du courrier, donc par ces motifs. Donc c'est par ce courrier-là qu'on enlève en fait le placement des enfants. Donc, notre ami McDonald HLM Girl ne vous a jamais raconté cet épisode-là. Que les enfants ont subi des difficultés financières, l'absence de maman qui était au Cameroun en train de jouer la Java, et ont subi tout ça. La maman jouait la vie avec l'argent des allocations. Hein. Alors ici, il s'agit de quoi? Donc ici, il s'agit de la CAF. Hein.
Il s'agit ici de quoi? De la CAF qui a demandé, hein, qui s'est rendu compte de la fraude. Donc il y a eu un signalement. Qu'attention, Miss McDonald HLM Girl perçoit des allocations pour ses enfants alors qu'elle vit au Cameroun et ses allocations ne participent pas à l'éducation de ses enfants. Donc elle ne vit pas en France. Et donc ça, c'est la police aux frontières. Hein. Non, non, ça, c'est d'abord la brigade des affaires financières, autant pour moi, qui est saisie par la fraude. Dans le cadre des enquêtes diligentées pour des faits de faux et usage de faux en écriture privée, PV. Ah non, non, ça, c'est pas ça. Non, non, attendez, attendez. Ça, c'est la partie faux et usage de faux, ça. Parce que ça, il y a une autre histoire. Hein. Il y a une autre histoire. Donc, on va aller dans l'ordre. On va d'abord rester sur les allocations, là. Des escroqueries. Voilà, on va d'abord rester sur les allocs. Voilà. Ça, c'est une réquisition par la police aux frontières. Alors, bien vouloir, coordonnées bancaires. Voilà. Ça, c'est la réquisition quand elle est signalée pour le fait de vivre au Cameroun avec l'argent que lui verse la caisse d'allocation familiale. Donc, c'est la police aux frontières qui s'adresse à la CAF parce que la CAF avait. La police aux frontières a fait une réquisition de la CAF des comptes auprès desquels sont versées les aides de Miss McDonald and HLM Girl. D'accord? Donc, c'est nous, Brian Stéphane, officier de police judiciaire, en fonction à l'unité judiciaire de la police aux frontières de Nantes 44, vu les articles 175 suivants du code de procédure pénale, vu l'autorisation du parquet du TGI de Nantes, et en la personne de Monsieur Follène, substitut du procureur de la République, prions et au besoin requérons, Madame la directrice, de bien vouloir nous fournir dans les plus brefs délais. Attendez, je vais zoomer les bêtises. Comment je vais zoomer ça? Voilà. De bien vouloir nous fournir dans les plus brefs délais toutes les coordonnées bancaires de versement des prestations de CAF de Madame McDonald HLM Girl et sa fille Aka Ekoto Elise, demeurant 6 allée des Peupliers, ainsi que les rapports de votre service concernant les divers contrôles effectués pour les intéressés ainsi que tous les éléments de preuve de fraude et toute déclaration des intéressés. Merci de votre collaboration. Et pour garantie, et pour sa garantie, lui délivrons la présente réquisition signée par nous et revêtue du sceau de notre service dont une copie est annexée à la procédure en cours. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une réquisition pour fraude à la CAF, quoi. Voilà. Parce que quand on l'a attrapé, McDonald Girl a dit qu'en fait l'argent était déposé sur le compte de sa fille. C'est ce qu'elle a déclaré à la police. Elle oublie que la police peut faire une réquisition auprès de la CAF pour vérifier. Elle disait que non, 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 elle n'a pas vécu au Cameroun avec l'argent de sa fille. Elle disait que non, non, j'ai déposé sur le compte de ma fille et c'est ma mère qui est venue piocher. Donc elle accuse sa mère, la bougresse, Karine Bibian Guichot. Voilà celle que tu défends. Elle accuse sa mère. Donc vous allez voir, hein, c'est pas du racontage. Donc ça, c'est le truc qu'on n'a pas remboursé. On va chercher là où elle accuse sa mère. Voilà. Voilà là où elle accuse sa mère. Voilà. Donc ça, ce sont les déclarations. Déclaration de main courante. D'accord? Donc ça, c'est... comment dire? Ça, c'est McDonald HLM Girl qui va faire une déclaration de main courante à la police. Hein. Donc vous voyez très bien. C'est une déclaration à... D'ailleurs, il faut que je comprenne bien ce document-là. C'est une déclaration de main courante, rédacteur, objet perturbateur, blablabla. Voilà, nous sommes au service. Constatons que se présente devant nous, voilà. Donc, elle va faire une main courante. Étant au service, constatons que se présente devant nous, Mademoiselle McDonald HLM Girl, qui nous déclare, depuis plusieurs années, je suis embêté par ma mère, Ekoto, Aka, Elise. En effet, un de mes enfants porte le même nom qu'elle, Élise, Océane, Koto et Koto. Ma mère s'est fait virer des allocations de la CAF sur un compte de ma fille, puis elle a retiré l'argent de ce compte en présentant sa pièce d'identité à la banque. Comme elle a des dettes, elle a trouvé cette manœuvre. Voilà. Donc, à McDonald Girl, non content de frauder la CAF, quand elle est prise au piège et qu'on lui réclame 15 000 balles de rembourser, elle accuse sa mère. Elle accuse sa mère. Voilà, elle accuse sa mère d'avoir volé l'argent de la CAF. Depuis, je ne cesse de me faire contrôler par la CAF qui a suspendu mes droits.
Je vis sans allocation depuis septembre 2011 et c'est très dur. Hein. Je souffre, hein, moi milliardaire, qui ai un enfant avec Théodoro Obiangema. Je souffre parce qu'on ne me verse pas 600 euros de la CAF. Oui, 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 oui. Un inspecteur de la CAF est passé le 22 février. Merde, leur enquête est toujours en cours. Je prends acte que vous ne pouvez rien faire puisqu'il n'y a pas d'infraction pénale. C'est un problème avec la CAF. Je n'ai rien d'autre à rajouter à ma déclaration. Alors, après l'étude des faits, Madame McDonald HLM Girl persiste et signe le présent avec nous. Donc, elle persiste et signe que c'est sa mère qui a volé l'argent de la CAF. Voilà. Secrétariat 26 mars 2012. Hein. Donc, c'est un document du commissariat de Nantes. Hein. Donc, si c'est un faux, ça veut dire qu'on peut me poursuivre. Hein. On peut me poursuivre. Ça veut dire que le commissariat, là, la police nationale, peut me poursuivre. Hein. Vous avez le cachet, gars. Si ça, c'est un faux, ça veut dire que moi, Serge Anango, j'ai fabriqué le faux cachet de la police. Genre, je ne suis pas très bien en France, je cherche les problèmes, quoi. Genre, vraiment, je cherche le suicide. Genre, je cherche les problèmes. Hein. J'ai une très bonne situation, je vis très bien. Je vais aller fabriquer un faux comme ça, avec un faux cachet de la police de Nantes, pour accuser un bout de son sur Internet. Oui, bien sûr, oui. Vous y croyez, non? Vous y croyez ou pas, les gars? Est-ce que vous y croyez? Écrivez-le en commentaire, écrivez. Si le live, le volume est bon, bombardez les cœurs, les gars. Vous êtes 400 presque, là. Donc, je veux 400 cœurs. On va faire un travail de déconstruction. Je veux les cœurs, je veux les cœurs. Je veux les cœurs. Donc, ne soyez pas chiches, ne soyez pas chiches, les gars. Voilà une dame qui fraude et qui accuse sa mère. Voilà une dame qui fraude et qui accuse sa mère. Et qui pense que c'est en multipliant les postes en disant « Kikinette, viens ici, Kikinette, Kikinette !» Qu'elle va s'en sortir. J'ai dit que tu allais te prendre le mur, McDonald's HLM Girl. J'ai dit que tu allais te prendre le mur. Oh, je dis que ce document est un faux. Tu as juste un geste à faire. Tu portes tes pieds, tu vas au commissariat avec ça. Tu leur démontres que c'est un faux. T'inquiète pas, on vient me cueillir chez moi. Même à mon lieu de boulot, on vient me chercher directement. Parce que ça, c'est grave. Hein. Ça veut dire que j'ai un cachet de la police nationale, les mecs. Ça voudrait dire que j'ai un cachet de la police nationale. Donc, franchement, si tu es vraiment sérieuse que tu vas me porter plainte, là, je viens de te donner une occasion en or. Je viens de publier un document avec le cachet de la police. Si c'est un faux, un Woodson, porte tes pieds, tu vas au commissariat avec ça. Je laisse le temps pour que tu fasses la capture d'écran. Fais la capture d'écran. Je donne le temps, vas-y. Prends ton temps. Fais la capture d'écran, Woodson. Fais la capture d'écran. Ça y est, c'est bon? Tu as fait la capture d'écran? Est-ce que c'est bien lisible, là, les gars? Confirmez que c'est bien lisible, hein, qu'elle fasse la capture d'écran, s'il vous plaît. Fais ta capture d'écran, tu vas au commissariat avec ça. Si tu ne vas pas au commissariat avec ça, j'espère que tes chèvres vont comprendre que tu les mitonnes, que tu te fous de leur gueule. Parce que si tu parlais de me porter plainte, alors que les éléments que je t'avais présentés la dernière fois, c'était rien du tout, hein, c'était rien. Tu peux rien me faire avec ça. Franchement, là, je viens de te donner une occasion en or. Je viens de publier, en t'accusant, un document que j'attribue à la police avec un cachet de la police. Donc, si je suis un fabricant, je viens de te donner un cadeau en or. Avec ça, tu me mets en prison. Ça, c'est le cachet de la police nationale, madame. Donc, si j'ai fabriqué ça et je fais des trucs chez moi, je suis un type dangereux pour la France. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Donc, je viens de te donner un cadeau. Si avec ça, tu ne vas pas porter plainte, j'espère que tes chèvres qui t'écoutent là, les gens à qui tu chies dans la bouche, ils avalent goulûment. Hein? Ces gens-là. Voilà, voilà. La capture d'écran, les gens me disent que c'est parfait. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, donc ça c'est la première partie. Hein. Donc, on vient de terminer avec le petit volet. On vient de terminer avec le petit volet. Fraude des allocations et mauvaise maman. D'accord? Fraude aux allocations et mauvaise maman. Vous voyez donc que le tableau de la petite maman qui élève bien ses enfants, qui lui font des virements de 12 000 euros. L'enfant va trouver ça où, mon frère? Donc, les parents des enfants l'ont abandonné chez la mère. On les a placés à la DAS. Donc, tu as un papa qui a les moyens de donner 12 000 euros aux enfants, de verser les pensions. Il laisse l'enfant être placé à la DAS? What? Mais moi, je ne ferais pas ça. C'est-à-dire que même si j'ai un enfant avec une KDO, tu comprends? Il y a un risque que je vais la ramener à la maison. Si Magali n'est pas contente, c'est elle qui va partir. On ne rigole pas avec ses enfants, mon ami. Vous croyez que je peux abandonner un enfant dehors? Parce que je ne veux pas fâcher Magali. Je fais un gosse dehors, je vais l'abandonner à la DAS. Parce que j'ai peur que ma femme trouve. Non mais vous êtes malades les gars. Mon enfant, mon sang à la DAS. C'est pas possible. Je me suiciderai rien que pour ça. Je me suiciderai. Et tu veux faire croire aux gens, aux chèvres, qui ont envie d'avaler ta diarrhée, que tu reçois des pensions, qui a un père qui a en aptitude de verser 12 000 euros de pension à un enfant, mais il a laissé l'enfant aller être placé à la DAS. Vous savez ce que les enfants font à la DAS? C'est le pire des traumatismes, les gars. C'est le pire des traumatismes. Tu ne peux pas aimer un enfant, tu le laisses aller à la DAS. Tu ne peux pas.
mieux tu prends l'enfant, tu envoies ta mère au Cameroun. Je vous dis sincèrement, les Blancs, ce qu'ils font, ça n'a pas forcément toujours les bons résultats. Les enfants de la DAS qui tournent bien, c'est pas toujours... je vais mettre que le ventilateur, si je mets ça sur moi. Voilà. Les enfants de la DAS qui tournent bien, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que si vous aimez votre enfant, vous êtes plutôt que de l'envoyer à DAS, prenez-la, vous l'envoyez à la grand-mère au village. Je préfère envoyer Sean à Fosson-Guanchang, chez ma tante là-bas, hein, ma Créti, qui vit encore, qui vit chez mes grands-parents là. Je crois que si Sean est là-bas, Sean sera meilleur. Sean aura une meilleure éducation que dans la DAS ici. Quand il commence à être grand, à avoir les valeurs, là je peux prendre l'enfant, je l'amène en France. Mais je ne peux pas laisser mon enfant à la DAS, mon ami. Jamais. Genre, je vais faire un enfant dehors. Je fais un enfant dehors. Mon ami, je suis désolé. Oui, ce sera, ma femme ne va pas apprécier. Mais gars, c'est mon mouna, man. C'est mon mouna. Il sera mon enfant à vie. Ma femme ne sera pas mon enfant à vie. Je ne peux pas laisser un enfant par rapport à une femme. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Donc, tu veux faire croire aux gens qu'on a placé ton enfant. Qu'on a placé ton enfant, que le père, que l'enfant avait des parents. Les enfants avaient des parents en aptitude de verser 12 000 euros. Si bien que tu viens sur Internet, tu fais des... je viens de recevoir 12 000 euros de mon fils. Si bien qu'il y a des mamans qui sont venues dans mon live, dit que mais elles ont regardé leurs enfants. Elles se sont dit qu'elles avaient raté leur vie. Que comment... voilà, les vrais enfants font 12 000 euros à leur maman. Tu me sers à quoi ici? Vraiment, elles ont même failli gifler leurs enfants. Elles ont même failli gifler leurs enfants. Donc, les 12 000 avons comme d'où? La seule fois où tu présentes des virements, je dis, c'est la mort de ton beau-père qui t'a sauvé. Tu n'as pas un compte bancaire, enfin, tu es interdit jusqu'à ce n'est même pas bon. C'est tout ça qui te flingue ta carte de séjour. Tu n'as jamais dit la vérité aux gens. Tu n'as jamais dit la vérité aux gens que tu as des problèmes de carte de séjour parce que tu es une escroc. L'État français te réclame plein de choses. C'est pour ça que quand tu présentes des allocations, tu montres le compte de Gaëtan, tu ne montres pas le tien. Tu dis, comment ça? Les allocations sont versées sur le compte. Mais tu as vu ça où? Ma petite soeur est dans la même situation que toi. Je parle de ma petite soeur, t'as aimé. Je suis le parrain de son fils. Je maîtrise. Mon ami, ses enfants sur le réseau, c'est qui les a amenés là-bas? C'est elle qui les a amenés, non? C'est elle qui fait des lives qui dit que l'enfant lui a versé 12 000 euros. C'est quelqu'un qui les a amenés. Elle vous fait foutre avec ça, les gars. Donc, quelqu'un, les leçons de morale à 2 balles la partent avec. Hein. Quand elle a affiché ma femme, vous avez vu ma femme parler sur les réseaux sociaux? Même à chaque fois même que je suis en train d'insulter les Camerounais, je demande la réplique à ma femme. Elle va tout dans le sens de me contredire. Si même quand je me suis fâché avec elle, elle dit, mais attends, c'est comment? Quand je te demande la réplique, tu casses toujours mon filmage, ça m'énerve. Donc arrêtez ça. Mais pourtant, on l'insulte tous les jours. Donc faut laisser ça. Faut laisser ça. Arrêtez de pleurer. Vous m'avez vu pleurer. Insultez ma femme comme vous voulez. Insultez-la. Est-ce qu'elle vous gère? Est-ce qu'elle vous gère? Vos trucs peuvent l'atteindre en quoi? Vous allez l'insulter, vous restez là, non? À la fin de la semaine, c'est elle qui va aller en vacances en Corse. C'est elle qui va chauffer la carte de son Joe, qui pour le coup n'est pas manager au McDo. Alors, il y a quelqu'un qui dit Fombinda et vous de son nom qui tue ça. Donc, ce genre de plaisanterie, je vais te bloquer avec ça. Genre, si vous êtes en jachet, les gars, ce n'est pas tout le monde qui est en jachet. Donc, je te bloque tout de suite, pas en métisse. Voilà, parce que tout pour vous se réduit au sexe. Alors, donc, j'aime pas les plaisanteries à 2 balles. On parle quand même des choses sérieuses, d'abandon d'enfants. Quelqu'un veut me parler des iPhone Binder, vous de son. Allez, je te bloque direct. Dégagez. Voilà. Ici, le port du cerveau, il est strictement obligatoire. D'accord? Strictement obligatoire, le port du cerveau. On parle des choses graves. On parle des choses graves. Tu viens me parler de quoi là? Si tu es en jachère, c'est ton problème. D'accord? Si pour vous, toutes les femmes, c'est les gens qui sont en jachère qui ont ce comportement de tout sexualiser. Peut-être tu ne pines pas assez dans ta vie, mais c'est pas le problème des gens, quoi. C'est pas notre problème. On parle des choses sérieuses, là, mec. On parle des enfants qui sont placés à la DAS. Parce qu'une maman ne s'occupe pas d'eux, va faire la java au Cameroun, et qui plus est, ne fait pas la java avec l'argent de travail, fait la java avec les arts de l'argent des allocations. Tu viens me parler de Mbinda? Que même si je suis âgé, je préfère ma main que de piner une sorcière pareille. Tu crois que ma main ne peut pas m'offrir le plaisir? Je préfère ma main qu'une sorcière pareille? Qu'est-ce que tu racontes, là? Il n'y a que des Marlène sur Internet. Il y a plein de femmes valables sur Internet. Tu me dis, va piner les bêtises. Que si je veux choper Nana là parmi ceux qui me regardent actuellement, c'est Marlène que je vais aller choper. Je me demande ce qu'il y a dans le cerveau des Camerounais. Je sais pas ce qu'on vous a fait, quoi. Si vous êtes en jachère, les gars, allez vous chercher. Si pour vous tout se réduit, tout se rapporte au sexe, c'est votre problème, les gars. Vous êtes en jachère, c'est tout. Vous êtes juste un pauvre minable. Branlez-vous de temps en temps, ça peut vous faire du bien. Branlez-vous, les mecs.
Ne restez pas coincés. Je sais que dans la tradition africaine, se branler, c'est perçu comme un acte de faiblesse. Non, non, les gars. Branlez-vous de temps en temps, les gars. Ça va vous faire du bien. Ça vous évitera d'avoir ce comportement de chien, de minable, de crevure, d'idiot. Tu n'as même pas de compassion pour le traumatisme qu'ont vécu ces enfants. Et donc, observez que c'est une nana qui ramait quand même pas mal, qui a quand même pas mal souffert dans sa vie. Avec tout ça, elle avait pas mal de difficultés, pas de compte bancaire, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le pigeon Gaëtan. Donc, je viens de vous parler de la première partie. Je vous ai demandé si le volume est bon. Je vois que vous êtes 400 là. J'attaque la deuxième partie pour les fraudes. Avec faux et usage de faux. Elle m'a accusé de faux et usage de faux, non? Elle a dit, les Bamilékés avec faux et usage de faux. Ben, je vais vous prouver que non. Les Bamilékés, non, c'est pas les Bamilékés. C'est McDonald's HLM Girl avec faux et usage de faux. D'accord? Donc, si vous, les Bams, là, qui allez sur sa page, à vous la louper. Parce que j'ai vu les Bamilékés. Mais vous êtes minables, les Bamilékés. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez une voleuse, une idiote, qui, parce qu'on l'a démasqué, dit, vraiment, les Bamilékés, vous venez là, dit, Malène, si tu as un problème, SH, tu as le problème, SH, hein? Pourquoi tu mets les Bamilékés? Comme si vous avez vraiment besoin de savoir ce que Malène pense de vous. Mais vous êtes des minables. Tous les chiens Bamilékés qui sont allés poster là-bas, vous êtes des chiens. Vous êtes des minables. Vous êtes des sous-hommes. Je vous pisse dessus. D'accord? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? De ce qu'une voleuse pense de vous. C'est ce que vous allez supplier la considération d'une voleuse. Non, 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 Marlène, ne mets pas tous les Bamilékés dans ça. Tu as un problème, c'est Anango. C'est Anango, c'est tous les Bamilékés. Mais les gars, vous êtes normaux. Mais sérieux, il y a quoi dans votre cerveau? Vous êtes des chiens, vous quoi? Vous êtes des minables. Vous êtes des sous-hommes. Vous avez besoin que Marlène vous aime? What the fuck, par là-bas? Là, je suis dépassé, les gars. On vous montre que quelqu'un, c'est une voleuse. Elle vous traite de Bamilékés, machin. Au lieu de dire, non, 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 Marlène, tu es une voleuse. Arrête, arrête de noyer le poisson. Tu es une voleuse, ça ne marchera pas. Hein? On sait que tu es une voleuse, ton avis, on s'en fout royalement. Tu es une voleuse, ton avis, on s'en contrefout. Non, non, Marlène, comment tu peux insulter les Bamilékés? Les Bamilékés, c'est pas ça, Jean-Angon. Est-ce que ça, Jean-Angon, c'est le représentant des Bamilékés? C'est quoi ça, Marlène? Waouh! Je ne savais pas que vous étiez aussi minable. Je ne savais pas, vous n'avez aucune fierté, en fait. Vous êtes là tous les jours, fier d'être Bamiléké, mais c'est pour ça que je vous méprise très souvent, vous les Bamis. Je vous dis sincèrement, hein, c'est pour ça que même votre soutien dans des trucs, j'ai pas besoin. Quand je vois le genre de personnes dont vous suppliez l'amour, mais vous me faites pitié, les mecs. C'est pour ça que je vous pisse dessus la plupart du temps. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Vous arrivez à tomber dans le piège. Voilà la personne qui vous entraîne dans ce genre de choses. Sérieusement. Voilà. Vous avez besoin que... Vous êtes tout le temps en train de demander l'amour des gens. Mais laissez-la se défendre avec ses moyens. Elle a le droit de jouer sur le repli identitaire. Vous avez vu un boulou là soutenir? Donnez-moi une seule boulou, tête boulou qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui a fait un live pour dire Malène, je te soutiens, à part Patieba. À part Patieba, donnez-moi. Patieba, c'est une autre des accès. Hein. Je peux vous dire, si je voulais, on m'a déposé le dossier de Patieba. C'est parce que pour l'instant, elle ne représente rien sur Facebook. Le jour où sa tête sort de l'eau et que je commence à voir que les bêtises sont trop en train, je vais prendre son cas. J'ai son cas, non, son dossier au chaud, la connasse de Patieba là. Mais c'est la seule qui est partie la soutenir. Je peux vous garantir qu'elle se ressemble. Hein. Je peux vous garantir qu'elle se ressemble. Elle se ressemble. C'est la seule que j'ai vue. Moi, j'ai vu les Patricia Gemel aller là-bas agresser, mais Patricia Gemel. Je suis extrêmement déçu de toi. Tu as quelqu'un qui est monté pour confronter les mensonges de Marlène. Tu es monté pour cela jouer la loyale, celle qui est trop, comment dire, celle qui est trop là, celle qui veut trop protéger Marlène contre tout acharnement, mon ami. Le cardio, c'est quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut avoir le cardio. Tu viens balancer des affirmations à deux balles sur Internet, les gens doivent te coincer. Ton cirque que tu es parti faire là-bas, là, tu me faisais ça à moi. Je me descendais sur toi, Patricia. Je descendais sur toi. Tu allais m'avoir là pendant mes vacances là. On est en train de parler d'une voleuse, d'une escroc. Et tu réduis ça à un problème entre Marlène et Serge Anango. Il y a quoi dans ton cerveau? Il y a quoi dans ton cerveau, Patricia? Tu as quelque chose là qui fonctionne? Ton cerveau marche? Il y a quoi là souvent dans votre cerveau là? C'est quoi? C'est le jus de tarot? C'est la sauce jaune qu'il y a dans vos crânes? Je ne comprends pas. Tu crois que c'est une affaire entre Serge Anango et Marlène? On te parle d'une voleuse, d'une escroc, d'une grosse menteuse. Tu demandes aux gens de ne pas demander des comptes à quelqu'un en qui dont ils ont cru les mensonges. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de monter et de dire non, 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 non. Tu racontes des conneries, non. Tu montes là que, oui, c'est bon, c'est pour dire que vous êtes là seulement, vous acharnez. C'est votre convaincre quelqu'un, non. Mais tu es venu dans mon live ici la dernière fois, tu as fait quoi? On voit ton côté fourbe. Donc, je te dis, Patricia, je ne veux plus voir tes pieds sur ma chaîne. Donc, pour l'instant, je vais te faire un cadeau.
de ne pas te prendre en charge. Je ne veux plus voir tes pieds sur ma chaîne. Je ne veux plus voir tes pieds sur ma chaîne. D'accord? Tu vas aller rester chez Marlène. Ça va être ta meilleure copine. Et j'ai souvent l'impression que quand on voit un peu la façon dont vous défendez souvent les gens, je vous dis, c'est souvent pas innocent. Je pense que si on gratte un peu sur toi, ça risque de pas être très joli, joli. J'ai pas envie de le faire. Parce que si tu es vraiment travailleuse dans ta vie, tu es sérieuse, tu ne peux pas dire c'est une affaire Serge Anango contre Marlène et empêcher les gens d'attaquer Marlène. Non, il y a plein de gens qui ont cru vraiment aux conneries de Marlène, qui sont déçus. Des gens qui ont cru, qui croyaient qu'elle était docteur. Des gens qui ont cru qu'elle avait une vie aisée, que ses enfants avaient des parents qui s'en chargeaient. Bien, on découvre quoi là? On découvre quelqu'un qui abandonne ses enfants. Et tu vas là-bas supplier l'amitié? Porte tes pieds, tu vas la rendre visite à Nantes. Elle a besoin de soutien, en vrai. D'accord? Si tu veux la soutenir, tu portes tes pieds, tu vas faire de Bretagne. Tu connais son adresse, tu démarres ta voiture, tu vas là-bas. Tu démarres ta voiture, tu vas là-bas. Donc c'est juste un avertissement. Moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à toi. Parce que ton siècle là-bas était pitoyable. Et en plus, finalement, tu te retrouves en voulant trop monter ta loyauté vis-à-vis de Marlène. Elle n'est même pas tombée dans ton piège parce qu'elle s'est rappelée de ce que tu es venu dire sur cette chaîne. On aurait dit que c'était une autre personne. Vous êtes bipolaire, je vous dis. Vous avez une bipolarité qui me dépasse. On aurait dit que entre la Patricia qui était ici chez moi et la Patricia qui parlait chez Marlène hier, on aurait dit que c'était deux personnes. On aurait dit que c'était deux personnes, les gars. Vous faites comment pour être aussi faux? Vous faites comment pour être aussi faux dans la vie? Moi, je ne traite pas avec ce genre de personnes. Je ne m'associe jamais avec. Par défaut, je fais confiance aux gens. Peu importe votre profil. Les gens vont vous traiter de pute, de machin. Tant que je n'ai pas un élément pour vous disqualifier, je vous prends au sérieux. Parce que je prends tout le monde. Tout le monde est humain. Tout le monde est humain pour moi. Il n'y a pas de surhomme et de sous-homme, par définition. Mais en faisant ça, tu t'es montré comme une sous-femme. Tu t'es montré comme une sous-femme. Et je suis sûr qu'en grattant un petit peu, on verra que tu as des points de similitude à Marlène. Parce que ce n'est pas possible. Honnêtement, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, je suis désolé. Ce numéro de bipolarité que tu nous as servi, quand quelqu'un m'a dit ça, je n'ai pas cru. Parce que moi, je ne regarde pas les vidéos de cet idiote. Quelqu'un est venu me dire, Serge, voilà le lien. Je sais que tu as demandé depuis de nous envoyer, mais ce n'est pas pour Marlène que je t'envoie ce lien. Ça serait intéressant que tu écoutes Patricia Gemel chez Marlène. Et tu me dis si c'est la même personne qui a intervenu chez toi ou quelqu'un d'autre a volé son téléphone pour intervenir chez Marlène parce que la personne elle-même était dépassée. Pas autant de bipolarité. Non, tu es monté sur le live de Marlène pour défendre Marlène. Alors que tu viens et tu as dit non, je ne voulais pas, tes arguments étaient très forts. Non, tu n'es pas allé directement, frontalement, lui dire que non, les éléments que Serge a présentés sont formels. Que tout ce que tu racontes ne peut pas contredire ça, madame. Mais non, tu es tombé comme une chef avec des questions à deux balles. C'est pour ça qu'on dit à un moment donné que oui, il faut avoir au minimum le bac dans votre vie. Parce qu'arriver à se faire embobiner comme ça par une chèvre pareille, mais il faut être la dernière des idiotes, quoi. Incapable d'avoir la moindre personnalité devant elle. On aurait dit que tu avais peur qu'elle te descende de son live. Tu avais trop besoin de son live à ce moment-là, quoi. Tu avais trop besoin de ça. Tu avais peur de dire, ma chère, oui, chef, c'était limite. Non, oui, chef, tu sais, t'es une grande dame. Non, c'est un problème entre Serge et Marlène. Après, on va. Non, ça ne va pas passer comme avant, madame. Avant, Marlène, c'était on clashait, elle me disait, tu es ingénieur, tu n'es pas ingénieur, un bracata, machin, mais on s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'éléments. On a la preuve que c'est une voleuse, on a la preuve que c'est une escroc. On a la preuve que non seulement c'est une escroc, mais elle est capable d'escroquer ses enfants et d'accuser sa mère. Donc d'accuser la grand-mère des enfants. C'est ça qu'on a. Tu vas me dire que c'est une affaire entre Serge Anango et moi, et Marlène. Donc ça n'a pas d'effet. Tu vas dire non, ce n'est qu'un problème entre Serge et Marlène. Moi, je vais continuer de voir Marlène comme je veux. Oui, je sais que vous êtes souvent comme ça là. Vous êtes souvent ce genre de cerveau complètement frappadingue à faire la dissociation des deux. Un peu comme ceux qui ont défendu elle chez nous, qui croyaient que si elle chez nous a volé la caisse de la basse, après il allait se montrer sympathique. Il a volé aussi l'argent de quelqu'un aux États-Unis. Maureen, qui est là, qui est restée dans la basse longtemps, peut nous raconter justement cet épisode. Comment j'ai été attaqué, insulté par rapport à elle chez nous, parce que les gens pensaient que c'était une affaire elle chez nous et Serge. C'est le même genre de connerie à chaque fois. C'était, les gens ont transformé une affaire de viol et de détournement d'argent en une affaire de sans-caleçon et une affaire de guerre de leadership. Les Camerounais, hein, ils sont très forts. C'est des gens bêtes, mais quand ils veulent noyer le poisson, je vous garantis, il n'y a pas meilleur qu'eux. Ils sont capables de transformer une affaire pour mieux la défendre. Parce que c'est difficile de dire non. Si tu dis Serge se bat pour défendre la dignité des femmes qui ont été violées, humainement, tu es obligé d'avoir un soutien quand même pour Serge. Mais si tu dis c'est une affaire de sans-caleçon et une guerre de leadership, dans une page où je ne peux pas apporter ma contradiction parce que vous avez pris soin de demander que je sois bloqué et que tous ceux qui me défendent soient bloqués, vous imposez ce discours-là sur la place publique que c'est une guerre de leadership.
C'est ça, vous imposez. Vous imposez ce discours sur la place publique qu'il s'agit d'une guerre de leadership. Et tout le monde retient, il s'agit d'une guerre de leadership. Et après guerre de leadership, ça devient que Serge Anango a inventé les affaires de viol. Que Serge Anango était jaloux. Que Serge Anango était jaloux des vues que tant. Voilà comment on glisse. Alors que c'est moi qui ai donné les vues à la base. La base qui les connaissait. Quand on commence une résistance, il n'y a que deux chaînes qui ont réellement des audiences. Max Seigneur Ivoire et SATV. La base se fait là, il y a 20 personnes. C'est moi qui donne les vues à la base. C'est moi qui leur donne de la visibilité. Mais les gens ont réussi à transformer ça pour faire croire que j'étais avec la base pour chercher les vues. C'est le même genre de comportement de débile. C'est le même genre de comportement de malade mental. Toujours en train de noyer le poisson, de tromper, de réécrire l'histoire de façon à la rendre plus défendable. Non, mais tu sais, toi tu es monté là, tu es monté chercher les problèmes. On dirait que tu es monté pour t'acharner. Oui, il faut s'acharner sur les voleuses. Je vis dans un monde là. Non, non, Patricia, t'inquiète pas. Le jour où ta patte tombe, je ne vais pas te louper. Je vais m'acharner sur toi. Je te préviens. J'espère que tes fesses ne sentent pas mauvais. Parce que quand je vois ce genre de soutien, en général, ce qu'on n'est pas très clair. Parce que moi, je ne peux pas me salir avec des gens pareils. Je ne peux pas défendre ça. Même si j'aime une personne, je ne peux pas la défendre. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un que j'aime impliquer dans un scandale comme ça, je vais lui dire que désactive Facebook de ton truc. Je vais lui dire, garde, désactive Facebook. Je vais lui dire, désactive ton Facebook. Laisse passer. Je vais lui dire, garde, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais là, tu ne peux pas rattraper le coup, monsieur. Tu ne peux pas. Désactive ton Facebook. C'est tout ce que tu peux faire de mieux, mec. Désactive ton Facebook. C'est le conseil que je vais donner à la personne. Tu as raconté des conneries aux gens. Les gens y ont cru. Le jour où ils apprennent que tu es une menteuse, ils sont déçus. Tu as une connasse qui monte dans le live pour dire que c'est l'acharnement. Mais vous faites ça comment? Donc on peut aussi dire que les opposants de Paul Biya s'acharnent sur Paul Biya. 42 ans de décrépitude. C'est l'acharnement. Voilà, c'est l'acharnement. Comme toi, tu t'acharnes sur Paul Biya. Hein? Tu t'acharnes sur Paul Biya. Si tu n'es pas content du Cameroun, quitte le Cameroun. Voilà. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement. Je vous dis, hein, à un moment donné, je vais soit mettre à contribution mon corbeau pour traquer des gens comme vous. Quand je vois quelqu'un qui défend trop le faux là, qui vit en France, vous inquiétez pas. Votre dossier va atterrir sur mon bureau. Vous avez trop bavardé. Et on va comprendre finalement votre soutien. Mais je ne sais pas, tu as le droit d'aller soutenir McDonald's, HLM, gars. Mais agresser quelqu'un qui est monté sur le panel, je ne sais pas qui est cette personne, mais agresser quelqu'un qui est monté sur le panel, parce qu'il a interrogé la personne, remettait en question, mais c'est normal. Quand je vous ai dit, lorsque quelqu'un est un menteur, il faut tout remettre en question dans ce qu'elle dit. Même si elle vous dit, même si elle me dit que j'ai un dingue, je vais quand même vérifier, gars, parce qu'on ne sait jamais. C'est une menteuse, mec. Elle me dit, tu as un dingue, je vais quand même vérifier. Si c'est elle qui dit, je vais d'abord checker, gars. Parce que vraiment, c'est vrai cette affaire-là. Peut-être que c'est ça quand on a une menteuse. Donc, j'étais extrêmement déçu. Quand je pense quand même, pourquoi je suis déçu par rapport concernant Patricia Gemel, c'est parce que l'année dernière, quand je me suis attaqué à Jean-Louis Messant, c'est elle qui m'avait refilé le colis. Elle était bien contente parce qu'il s'agissait d'un ennemi à elle. Mais j'ai du mal à comprendre le soutien de Patricia et Karine dans cette affaire. J'ai du mal à voir leurs yeux fermés là. Mais je les attends au tournant. Hein. Prochaine fois qu'ils vont prendre un autre sujet qu'ils vont traiter, bizarrement, je serai leur contradicteur. Je vais venir leur rappeler que, attention les gars, c'est la même chose qui arrivait là-bas et on vous a vu faire comme ça, là, jouer le jeu d'équilibre, faire la danse. On en reparlera les gars. On en reparlera. Donc, est-ce que le volume est bon pour la première partie? Si le volume est bon, il faut le dire. Est-ce que le volume est bon pour la première partie? On va attaquer maintenant la deuxième partie qui est la fraude. Et j'observe que depuis que je vous ai demandé de pomper les cœurs, il n'y a que 10 de plus. Ça veut dire qu'il y a quand même 400 personnes là qui soutiennent Marlène. Parce que si vous likez, on ne va pas venir vous agresser chez vous, les gars. Vous pouvez liker en disant que c'est un très bon travail de déconstruction des menteurs. C'est important parce que c'est du temps. C'est du temps. Hein? C'est du temps qu'on accorde quand même. Voilà. Ça permet quand même d'arrêter de rêver sur Terre. Et je suis assez surpris, vous êtes plus de 400. Et j'observe qu'on n'est qu'à 131, malgré que je vous ai demandé plusieurs fois de le faire. J'observe qu'on n'est qu'à 131. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent et qui soutiennent vraiment cette voleuse, quoi. Et ça, ça m'attriste pour le Cameroun. Ça m'attriste que vous n'ayez pas le sens des valeurs. Ça m'attriste sincèrement. Ça m'attriste.
Donc, je résume ce qu'on a jusqu'ici. Marlène, en fraudant les loyers au Cameroun, n'en est pas à son coup d'essai. Marlène, en fraudant les loyers avec Atlantique Habitat, n'en est pas à son coup d'essai. Expliquez-moi donc, quand la personne vient vous dire que je suis propriétaire en France, en disant j'ai une société au Cameroun, si tu as une société au Cameroun, tu abandonnes tes enfants en France sans envoyer l'argent. Donc vous comprenez que son récit n'est plus crédible. Quand elle commence à dire, non, l'appartement peut bien être à moi, blablabla. Non, je vais te dire, tu vas faire 180 lives, mais ça ne peut pas casser les preuves. La seule façon pour prouver que j'avais tort, il fallait filmer le compte CAF de ton mari en live. Tu te mets en live, tu allumes l'ordinateur, tu entres le mot de passe et tu filmes son compte CAF pour démontrer qu'il n'y a rien qui est pris, il n'y a rien qui est versé dedans, mais tu ne peux pas le faire. Tu veux montrer qu'il y a l'argent sur ton compte et qu'il y a des virements réguliers, bah, aucun problème, tu te connectes à ton compte, mais tu ne peux pas le faire puisque tu es interdit bancaire. Tu es interdit bancaire. Pour avoir des cartes American Express, je peux te dire, hein, tu peux souscrire à ça sur un site en ligne, chez les Américains. Ils ne vont pas vérifier ta solvabilité en France. Par contre, tu ne peux pas l'utiliser si tu n'as pas l'argent dedans. Je suis sûr que c'est ce genre de superfuge que tu utilises pour venir faire croire que, regardez, j'ai American Express, ça ne veut rien dire. American Express ne vérifie pas tes revenus. Tu fais gnac dans un mois ou trois mois, je te présente une carte American Express aussi. Ça, c'est des conneries. Je souscris une carte American Express sur un site bancaire américain en ligne. Ils vont me donner une carte à débit immédiat. Ça veut dire que si je n'ai pas l'argent, ça ne passe pas. C'est ça, c'est avec ça que tu viens tromper les gens. On t'a trop laissé faire. Tu bavardais, on te regardait, on riait juste. On ne voulait juste pas se donner l'effort. Non, c'est une interdit bancaire. Elle ne peut pas publier son compte. Publie ton compte avec des versements réguliers. Quand on a une société, tu vis en France, non? Tu es bien obligé d'utiliser l'argent en France. Tu ne peux pas dire que tu utilises ta carte bancaire camerounaise en France parce que tu vas payer des frais dessus, mais tu n'as pas idée. Tu as plus intérêt à faire un virement sur un compte français. Montre un compte bancaire à ton nom où tu reçois régulièrement des virements venus du Cameroun, d'une société. C'est la seule façon. Si tu avais ça, tu ne serais pas en train de faire 150 lives. Tu faisais un live et tes adversaires venaient m'attaquer. Ils avaient juste besoin de quelque chose sur lequel s'accrocher. Ils n'ont pas eu. Au lieu de ça, ils ont 150 lives que tu fais, qui ne veut rien dire avec des arguments que même eux-mêmes peuvent contredire. Quand tu viens dire que l'argent de la CAF est versé sur le compte d'un enfant, mais beaucoup de mamans en France savent que tu racontes de la merde. Quand tu viens dire là que s'il n'y a pas ton nom sur le bail, tu ne peux pas renouveler tes papiers, mais beaucoup de gens savent que tu racontes de la merde. Combien de gens n'ont pas renouvelé les papiers? Ça veut dire que tu habites chez ta tante en France, tu ne peux pas renouveler tes papiers? Qu'est-ce que c'est que ces amis? Qu'est-ce que c'est que ces mensonges-là? Tu as plein de gens qui arrivent en France, qui vivent chez leur tante, qui ne payent pas le loyer. Pour renouveler leurs papiers, ils font comment? Attestation d'hébergement, connard! Attestation d'hébergement. Ta tante fait une attestation, tu habites chez moi et cette attestation là fait que ta tante ne peut pas te mettre dehors. Quand quelqu'un a signé comme attestation que tu vis chez elle, même si elle te met dehors, tu vas au commissariat, la police te ramène chez toi. Ça devient chez toi. Tu habites dans cette maison là. Il ne peut pas te mettre dehors n'importe comment. Quand quelqu'un a signé une attestation d'hébergement pour toi, tant que tu n'as pas une adresse à ton nom, la personne ne peut pas te mettre dehors. C'est un document qui te protège. Je le dis parce que ma soeur est dans ta situation. Tu ne peux pas raconter des bêtises à tout le monde. C'est parce que ma soeur n'est pas Facebook. Elle serait venue ici te raconter que tu racontes de la merde. Je te parle de ma soeur qui habite à 10 km de moi. Elle est dans ta situation. Camerounaise, vivant avec un Français. Mieux que ça, elle ne vit pas avec un Français locataire, un Français propriétaire. Elle participe bien sûr aux frais de la maison. Elle travaille, ma petite soeur. Hein. Ce n'est pas comme toi. Hein. Elle a un salaire. Elle travaille. Son salaire est presque du même ordre que son conjoint. Elle a juste rencontré son conjoint au moment où il avait déjà signé les papiers du prêt de la maison. Mais son salaire, les salaires sont du même ordre. Ben, il n'y a pas son nom sur la taxe foncière ou le titre foncier. Elle a simplement besoin d'une attestation d'hébergement. C'est tout. C'est avec ça qu'elle présente la préfecture. Oui, je vis avec mon conjoint chez lui, je suis hébergé par lui. Terminé. C'est suffisant pour dire que tu fais partie de la maison à partir du moment où tu as ce document validé. Tu fais partie de la maison, comme l'enfant de la maison. Demain, ma fille va aller à l'université, elle n'a pas encore d'adresse, on va dire adresse, je vais faire une attestation d'hébergement pour dire que ma fille vient encore chez moi. Si ma fille veut souscrire, je ne sais pas, ma fille vient à l'université, va à l'université de Nantes et rentre tous les soirs à Clisson. Si elle veut faire un document, puisque ce n'est pas elle qui paye les factures d'électricité, vu que les papiers de la maison ne sont pas à son nom, comment elle va prouver qu'elle vit chez moi? Moi, son père, je vais faire une attestation d'hébergement à ma fille. Oui, monsieur, on fait des attestations d'hébergement à nos enfants. Je ne sais pas comment tu peux arriver dans un pays que tu ne connais pas, tu arrives à duper autant de chèvres. Je n'en reviens pas de l'efficacité.
J'ai l'impression que je suis dépassé. Comment tu peux duper autant de chèvres, des gens qui vivent en France? Comment peuvent-ils tomber dans le panneau? Tu arrives quelque part, quelqu'un te demande, tu cites. En France, tu sais que c'est, le gars te dit, cite la loi. Non, on n'a pas besoin de citer la loi, il y a ce qu'on vit. Mais tu es juriste, non? Tu vas aller sur le terrain de la loi, le mec te demande une source de la loi, tu commences à danser, je ne sais pas comment on appelle ça là, les danses boulou là. Tu commences à danser ça, quoi. C'est quoi ton niveau scolaire? J'ai besoin de savoir, machin. J'aurais été lui, je lui disais, j'étais docteur en physique nucléaire. Elle ne peut pas te challenger, tu racontais une connerie comme ça, tu passais dessus. Tu dis, tu es docteur en physique nucléaire, en cosmologie moderne. Tu es docteur en cosmologie moderne. Voilà. En quoi ça veut dire que je ne peux pas comprendre comment fonctionne l'administratif en France? Je n'aurais même pas perdu le temps avec toi. Et je te dis, oui, je suis docteur en cosmologie moderne. Vous savez ce que c'est, madame? Non? Bah alors, très bien. Dites-moi en quoi être docteur en cosmologie moderne m'empêche de comprendre l'administratif. Et là, tu retournes la question chez elle. Faut pas perdre le temps à ce genre de conneries. Surtout si ça n'a aucun... Si la question est une contingence, donne n'importe quelle réponse. Si une personne te pose une question débile parce qu'elle est coincée pour perdre le temps, ne lui donne pas l'occasion de dire « Non, non, ce n'est pas moi le sujet. C'est débile de faire ça. Tu tombes dans son piège. Parce qu'elle va te harceler. Tu lui donnes un os à ronger. Tu lui donnes une réponse rapide. Tac. Terminé. Là, elle n'a plus rien à faire. Tu dis, docteur en cosmologie moderne, est-ce que c'est incompatible avec le fait de comprendre la loi? Tous ceux qui comprennent la loi en France ont fait droit. Vous avez fait droit d'ailleurs, vous, jusqu'à quel niveau? Pouvez-vous me prouver que vous avez un diplôme supérieur en droit? Pouvez-vous le prouver là, à l'instant, t'es là, tourner la caméra, me montrer un diplôme supérieur en droit là, tout de suite? Vous pouvez le faire? Non, alors fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Voilà. Donc arrêtez souvent de tomber dans des pièges débiles comme ça. Donc on récapitule la première partie. Je rappelle avant d'aller sur la deuxième partie qu'on va essayer de finir rapidement. Il faut qu'à 21h, j'ai arrêté le live. Je ne prendrai pas de gens. Le débrief, ça sera un autre jour. J'espère peut-être que le débrief, ça sera un autre jour. Et il y a des gens qui débriefent, hein, qui font des lives de débriefs. Il y a Maureen qui font des débriefs. Donc vous pouvez aller là-bas. Il y a des commentaires. Peut-être après son boulot. Je crois qu'elle est en train de travailler. Vous pouvez aller là-bas. Si elle pense qu'elle va faire un live pour débriefer tout ce que je viens de présenter, là, elle écrit en commentaire, mail horaire. Vous vous scotchez là-bas. Non, demain, je dois faire un déplacement, donc je ne peux pas rester longtemps. Il faut que je finisse quand même très tôt. J'ai quand même fait pas mal de lives où je finissais tard la nuit, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc je vais juste vous présenter les faits. Et puis, naturellement, on va attendre les 175 directs qui vont suivre. Ça va être... Oui, dans quoi on fait la capture de ceci? Tu vas lire l'heure, madame. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque part que tu lis l'heure actuellement sur tous les fuseaux horaires. Tu vas lire l'heure sur tous les fuseaux horaires. Tu vas t'expliquer, madame. Tu ne peux plus venir dire « Kikilet, menteur !» J'ai dit là, maintenant, il y a un document de la police. Franchement, ce n'est pas la peine de faire un live. Va seulement te filmer en train de porter plainte. Tu dis à la police, il y a un mec qui utilise des documents faux de vous. Tu dis qu'il y a un mec. Là, tu seras obligé de dire « Ah, en Angoua, quelqu'un dans l'administration. Ah, donc ce n'est plus faux. Je pensais que les tiens étaient des gros faussaires. » Là, on va maintenant découvrir que la faussaire, c'est toi. Que faux usage de faux que tu m'as accusé la dernière fois. Mais je vais porter plainte pour faux usage de faux. Non, on va voir que c'est toi. Faux usage de faux. Est-ce que vous pouvez d'abord remettre les likes, un coup de partage? Je veux savoir que vous êtes du bon côté, les gars. J'ai quand même pas envie d'être sûr que je parle aux chèvres qui me regardent. Parce qu'il y a 406 personnes. J'ai pas envie de me dire quand même qu'il y a 200 malhonnêtes parmi, quoi. C'est quand même ça. C'est effrayant. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une vision pessimiste pour le Cameroun? Je vous dis qu'on est en train de faire un live de déconstruction d'une menteuse invétérée, d'une escroc, d'une voleuse. Et les gens, ils rechignent à dire, j'encourage quand même ce travail. Donc, je vous dis, franchement, j'en profite dans le temps que vous mettez des cœurs et que vous envoyez des likes. Celui que je vais, le Bamileke, que je vais encore voir aller là-bas supplier l'amour. Putain. Je vais faire un live. Je vous ai dit, je suis en vacances, non? Même pendant mes vacances, le soir, quand on est rentré de notre excursion, je vais aller m'asseoir quelque part. Je vais vous traiter. Je vais recommencer à tirer sur les bamis parce que vous êtes des pauvres gens, quoi. Vous êtes vraiment des pauvres types, comme disait Amougou Beninga. Vraiment. Je ne comprends pas comment vous pouvez en avoir quelque chose à faire de ce que cette nana pense. Elle peut vous traiter de tout ce que vous voulez. Ça vient d'une connasse. Vous croyez vraiment que quand la meuf a dit que ma femme est belle, ça me dérange? Vous pensez vraiment que ça me dérange? Quand quelqu'un a dit que ma maison n'est pas ma maison, ça me pose problème. Si ça me posait problème, j'aurais déjà sorti le titre foncé depuis. Je vous ai dit qu'il y a une seule chose que je consens à vous balancer parce que je sais que ça vous dérange. C'est mon salaire. Je sais que la plupart d'entre vous, quand vous regardez ça, c'est votre salaire de 2 ans. Oui, ça vous fout les boules, oui. Surtout à ceux qui me détestent. Les gens qui me détestent, qui disent ingénieur dans sa tête. J'aime leur balancer ça.
Parce que je vois la dissonance cognitive là, à l'état pur. J'en jouis. Je suis un peu sadique de ce côté-là. Je sais le mal que ça leur fait. C'est pas pur sadisme, en fait. Ce n'est rien d'autre. Je cherche pas la reconnaissance. Je m'en branle de ça. C'est pas pur sadisme que je le balance. Vous croyez vraiment que quand tu dis Anango, Fosset, les Tchangpo, Bachin, tu crois que ça me dérange? Pati et quand j'ai commencé à la fumer, me traiter de porcina, tu m'as vu m'offusquer? Tu crois que, c'est, tu crois que je me fais une idée de ma personne en regardant ce qu'une Pati et dit de moi? Et me traite de porcina, c'est un compliment, ça me fait rigoler. Vous croyez que les gens, quand ils disent kikinette, ça peut me déranger? Sérieusement? Vous croyez que les gens, parce qu'ils vont m'attaquer, que j'ai pris le bidon, ça peut me déranger? Contrairement à vous, les gars, j'ai été préparé à l'idée que mon corps ne sera pas toujours le corps de Brad Pitt. Je sais que vous me regardiez avant, vous me trouviez extrêmement beau, et ça vous rendait, ça vous foutait les boules, que vous pensez que c'est une dépression de ma part d'avoir une modification morphologique. Ça, c'est votre problème, les gars. Je suis préparé à tout dans ma vie. La seule chose à laquelle je ne me prépare pas, c'est la perte d'un être cher. Ça, c'est horrible. C'est violent. Quand vous vous levez un matin, on vous dit votre frère est mort, votre maman est morte, votre père est mort. Ça, c'est la seule chose qui m'affecte. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Vous croyez que quoi? Vous croyez que je m'attendais à ce qu'à 75 ans, j'ai le même corps qu'à 30 ans? Que je sois toujours le beau gosse? Et je vous rappelle que ça n'a rien changé à mon sexe à pile, pour votre information. Hein. Aujourd'hui, il y a des nanas que je peux soulever, qu'à l'époque, avec mon beau physique, je ne pouvais pas soulever parce que j'avais... J'étais très beau, certes, mais... Il y a quelques petites limites, quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'argument. Je peux soulever du gésier. Je peux soulever du très bon. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Ça deviendra un problème le jour où je vais commencer à avoir des meufs qui vont dire non, on ne t'intéresse pas à toi parce que tu es devenu trop gros, tu es laid, tu pues, tu ne m'intéresses plus, je n'ai pas envie de marcher, je ne t'assume plus, je ne peux pas accepter d'arriver à une soirée avec toi. Là, je vais dire, oula, allez, il y a un problème. Et vous inquiétez pas que quand je me décide que je vais régler un problème, je le règle. Le jour où ça sera un problème, je vais régler le problème. Donc, c'est une façon de vous dire que ce que les gens peuvent dire de moi, je m'en bats les couilles. Tant que ce n'est pas vrai, je m'en tape. Tant que ça vient de quelqu'un qui est un minable, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous avez un minable qui attaque une tribu, vous vous énervez, vous allez la supplier. Mais vous êtes des crevures, vous êtes des chiures, des pourritures, des giclures, des glérules, des impostures. Ça se dit fier d'être Bamileke, fier mon cul, oui. Je serais allé supplier une voleuse. Elle peut insulter les Bamileke, c'est une voleuse. Sa parole, c'est quoi? Vous croyez vraiment que quand un animal de la basse faisait un live pour dire « Serge Anango n'est pas ingénieur, sa femme l'a chassé », vous croyez vraiment que ça m'empêche de dormir ce genre de conneries? Vous pouvez multiplier ce genre de live 20 fois, c'est vous qui souffrez les gars. Parce que vous pouvez faire 20 fois, il suffit d'un élément contradictoire pour balancer tout. C'est tout. Tu peux faire 150 lives pour dire qu'Anango est ceci, Anango est fini, Anango est ça, Anango déprime. Il me suffit d'un seul élément, c'est fini. Et vous allez supplier. FN Bombis va regarder les commentaires sur sa page quand elle dit que les Bamileke sont. Quand elle m'attaque en disant je suis un faussaire, elle dit les Bamileke. Je vous rappelle encore une fois que je viens de montrer un document du commissariat qui atteste ces fraudes à l'assurance, à la CAF, fraude de la caisse d'allocation familiale. Hein. Donc ça dit fraude, ça veut dire qu'elle prend un truc qui est destiné à l'éducation des enfants, tu le fais, tu utilises ça pour ton usage personnel. Mais bien sûr, chère madame, quand tu vis au Cameroun, quand tu reçois 1400 euros, 1400 euros, c'est presque 1 million de francs CFA. C'est presque 1 million de francs CFA. Donc tu peux aller louer un petit studio quelque part là, à 15 000 balles, tu l'aménages, tu fous un PC bizarre, tu dis ça, c'est le siège de ma société. Tous les jours, tu vas là-bas, tu t'assois, tu regardes les publications sur Internet, tu fais quelqu'un te filme, montre que, oui, tu es dans un bureau. Tu donnes l'impression que tu as une activité. Mais en fait, ton salaire, c'est la CAF connasse. Voilà. C'était ça, ton travail. Ça, c'est une fraude. Parce que l'argent de la CAF, c'est pour les enfants. C'est pour participer à l'éducation des enfants. C'est pour faire ce que je m'apprête à faire avec Platini, là. Platini et moi, le 27, on part, on est tous les deux sur la route des vacances. Avec nos enfants. C'est pour ça qu'on travaille dans l'année. C'est pour ça qu'on bosse l'année. C'est pour amener nos enfants, profiter de la vie. C'est pour régler les problèmes de nos enfants. C'est pour pouvoir répondre quand l'enfant me dit « Papa, moi j'ai ma fille, la grande, là, actuellement, elle est à l'île de Ré avec ses copines. Quand elle partait, je me suis dit, si je fous beaucoup d'argent sur son compte, par exemple, si je mets 300 balles sur son compte, elle va m'appeler jeudi parce que ma fille, dès qu'elle a les dos, elle dépense direct. » Quand elle est partie en Angleterre là, avec son école, je lui ai filé ma carte bancaire parce que je ne voulais pas qu'elle m'appelle tout le temps pour que je fasse ses virements parce que je la connais. Elle allait m'appeler tout le temps pour dire « Papa, rajoute-moi le truc. » Parce que comme elle sait que j'ai juste à déplacer maître, j'ai de ma carte bancaire. Vous inquiétez pas, elle en a fait bon usage. Et dans tout ça, avec tout ce qu'elle a bâillé, tu sais ce que j'ai eu comme cadeau? Des chaussettes. Non, je lui ai donné ma carte.
Elle en a fait bon usage. C'est une vraie fille, quoi. Voilà. Donc, là, elle est partie. Je savais que si je lui filais, je ne sais pas, bah, si je mettais une grosse somme, elle allait m'appeler. Je vous garantis qu'elle est partie lundi dernier. Depuis lundi, elle m'a appelé il y a deux fois. Et finalement, quand elle va rentrer, j'aurais mis moins d'argent que ce qu'elle voulait et que ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, je pense qu'elle aura... j'aurais mis moins d'argent. Elle m'a dit appeler. Elle m'a appelé, je crois, mercredi. On me dit que les 100 balles, les 110 euros que j'ai mis sur le compte sont terminés. Je vous demande, je vous dis, 4 ados, hein, 4 ados qui sont partis quelque part. Et comme ses amis savent un peu que, bon, bah, le pater, je suis un peu le pigeon, je suis un peu le pigeon quand elle m'appelle, en général, je fais ce qu'elle veut dire, quoi. Les parents, ils savent que ses parents, c'est ceux qui ont les plus de moyens. Et puis, elle a l'avantage d'un papa pigeon. Voilà, dès qu'elle m'appelle, bouffe, 10 minutes après, j'ai fait le virement. Je suis un vrai pigeon, quoi. Voilà, je vais pas faire, je vais pas faire, je vais pas faire. Je me dis, papa, je dis, ok, c'est bon, c'est bon. Oui, tout de suite, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Oui, c'est aussi pour ça qu'on travaille, c'est aussi pour ça qu'on bosse. Et donc voilà, donc c'est un peu. Donc là, j'imagine que prendre quelque chose qui est destiné à mes enfants pour aller faire la Java avec, non, c'est pas possible, les gars. C'est franchement. C'est vraiment au-delà, c'est d'un dégoût, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, quoi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Platini et moi, nous, on bosse dur dans l'année. C'est justement parce que à la fin de l'année, là, quand on va passer deux bonnes semaines avec nos enfants, on va faire des vrais trucs, quoi. Voilà. Donc, on ne comptait pas l'argent. Parce que tu sais jamais, ça peut être tes dernières vacances, hein, Témona. Tu peux bac là comme ça, on ne sait jamais, crise cardiaque. Oui, donc on ne sait jamais, gars. On sait jamais. Donc, quand moi je vais en vacances, oui, je sais que la carte, elle va bien chauffer, quoi. Elle va bien chauffer. Et donc, voilà, c'est tout, quoi. C'est tout. Donc, on continue maintenant avec la deuxième partie. Deuxième partie, c'est la partie où elle est accusée de fraude. Alors, ici, c'est quoi? Non, remarquez ici d'abord, ça c'est le récépissé d'une déclaration. Donc, mademoiselle McDonald Girl, donc qui demeure aussi. Donc, voilà, c'est ici qu'elle accuse sa mère en fait. D'accord? Elle a déclaré. Donc, ça c'est le récépissé de la déclaration précédente là. Donc, vous voyez, donc il s'agit toujours d'un truc qui est relatif, vous voyez, l'agent de police judiciaire. Donc, autant vous dire que si ce document est un faux, je risque gros. Vous êtes d'accord avec moi là quand même, non? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc ça, c'est l'agent de police judiciaire. Donc là, vous êtes d'accord que si ce document est un faux, normalement, je vais en prison. Vous êtes d'accord avec moi, là, quand même? Vous êtes d'accord? Donc, logiquement, si elle vous dit c'est un faux, dites-lui de ne pas faire des lives. Donc, si vous l'entendez faire des lives pour dire j'ai fabriqué tout ça, écrivez tous là-bas, tous, vous êtes 10 000, écrivez, va porter plainte, va porter plainte, va porter plainte, va porter plainte. Vous n'écrivez rien d'autre que ça. Va porter plainte, va porter plainte, va porter plainte, va porter plainte. Si tu ne portes pas plainte, c'est toi la menteuse. Tu ne portes pas plainte, c'est toi la menteuse. Voilà, c'est tout. Arrêtez à un moment donné de vous faire prendre pour des chèvres. Pas être plus clair, les gars. Donc voilà. Donc on est le 16 février 2011. C'est la date à laquelle elle accuse vraiment sa mère. Voilà, ça c'est le récépissé des dépôts. Ici, c'était quoi? Donc, on va revenir maintenant sur la partie. Donc, ça, ici, je vous ai dit, ça, c'est les loyers impayés. Donc, vraiment, cette femme a vraiment une vraie histoire d'amour avec les impayés, quoi. Voilà, ça, c'est les documents relatifs à l'escroquerie. Voilà. Où est-ce que j'ai foutu ça, tiens? Attends. Ouais, la partie escroquerie, il y a une plainte là où elle prétend, il y a un préjudice de 57 000 euros, c'est quel document, lequel, merde, ah, voilà, ici, donc la meuf, elle a prêté de l'argent, donc elle était dans un réseau avec des gens, quoi, donc Marlène ici, c'était des affaires d'escroquerie, où elles ont usurpé les identités des gens pour faire des crédits, d'accord, voilà, elles ont usurpé les identités des gens pour faire des crédits. Elle-même, avec son nom, elle a fait plusieurs crédits qu'elle n'a pas pu rembourser. C'était un réseau, donc quelqu'un a fait la prison parmi eux. Là, il y a quelqu'un qui a fait la prison. Donc, vous savez que quand une maman a trois gosses dont les pères ne sont pas là, dont les pères ne sont pas impliqués dans l'éducation des enfants, c'est difficile pour la justice de la mettre en prison. Donc, je ne vais pas publier la suite parce que l'idée n'est pas de mettre les autres en cause. Maintenant, si elle veut afficher ces gens-là, c'est son problème. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, elle a déjà porté plainte, monsieur Serge Anango. Tu as la preuve qu'elle a porté plainte, Chloé Messina. Si tu fais une affirmation simplement parce qu'elle a dit, eh ben, je te bloque direct. Donc, est-ce que tu as le récépissé de la plainte? Donc, j'attends ta réponse, Chloé. Elle a fait un live tout à l'heure pour dire quoi, qu'elle a porté plainte. Est-ce que tu as la preuve qu'elle a porté plainte? Si c'est pour me dire que c'est ce qu'elle a dit dans un live, je te bloque direct, Chloé Messina.
Je m'arrête sur ton cas d'abord deux secondes. Parce qu'il y en a marre de chèvres comme toi. Si après tous les mensonges que vous avez, vous me verrez encore me reporter. Voilà, donc je te bloque. Voilà, c'est tout. Permettez que je me débarrasse de ça. S'il y a encore des chèvres qui sont capables de venir me dire, elle a dit que, on est en train de vous dire que quelqu'un est un menteur, vous venez encore me dire qu'elle a, elle a porté plainte. Et la preuve, c'est elle a porté plainte parce qu'elle dit qu'elle a porté plainte. Mais vraiment, on peut être chèvre à ce niveau-là. Donc bloquer immédiatement. Voilà. C'est pas possible d'être aussi con, quoi. J'en reviens pas. On te dit que quelqu'un, c'est une grosse menteuse. Grosse menteuse. Et tu viens me dire, elle a porté plainte, et la preuve qu'elle a porté plainte, c'est parce qu'elle dit qu'elle a porté plainte. What the fuck? On peut être bête à ce niveau-là. C'est quoi? On vous a fait quoi? On vous a maudit? On vous a maudit pour être aussi débile dans le cerveau? Vous êtes des sous-hommes, vous êtes des handicapés mentaux. On dirait que les Camerounais, c'est vraiment des asilés en état d'exil, quoi. Comment tu peux être encore là? Tu viens me reporter un de ses propos en ayant comme seule preuve, c'est elle l'a dit. Donc, quelqu'un vous dit que la personne ment jusqu'à... Elle ment comme elle respire. Tu viens encore me dire, telle chose s'est passée parce qu'elle le dit. Ah, c'est pas possible. Comment on peut être chèvre à ce niveau-là, quoi? Je suis dépassé. Je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé. Recommençons. Donc, ici, il s'agit... regardez le montant du préjudice. Hein. Voilà. 59 789 euros. Zoomer, 59 000, donc presque 60 000 euros sur le montant des escroqueries. Voilà. Donc, comme elle savait qu'elle était recherchée, vous allez comprendre. Donc, elle est partie faire une déclaration pour dire que quelqu'un a usurpé son identité et qu'avec son identité a sollicité ces crédits-là. Et donc, non seulement il y a des crédits sollicités, mais il y a aussi des crédits, comment dire, des escroqueries. Hein, ils ont utilisé des identités des gens pour solliciter des crédits. Dans ces années-là, c'était assez facile, en fait. Hein. C'était assez facile avec des fausses pièces d'identité d'obtenir des crédits. Les sociétés de crédit n'avaient pas cette capacité-là. Je me souviens de l'époque. Donc, c'était assez facile d'escroquer des sociétés de crédit. Donc, tu prends les documents de quelqu'un, tu mets un RIB, tu changes de nom. C'est très facile. Donc, elle a dit qu'on a usurpé son identité, mais en fait, on l'a coincée simplement. Pourquoi? Elle a été coincée dans cette affaire. Donc, comme elle savait, je vais vous expliquer pourquoi elle est partie faire cette déclaration. Regardez ici. Alors, ici, c'est pas là. Bon, ça, c'est vraiment le truc qui a tué Marlène. Hein. Marlène disait que, comment est-ce qu'on peut refuser deux prélèvements sur mon compte alors qu'il y a 9 000? Non, madame, c'est pas un solde ici, c'est un virement. Et quand on regarde l'ordre, ce virement est intervenu après le rejet des deux autres. Hein? Après le rejet des deux autres, vous avez le prélèvement qui est là en dessous. Vous avez le prélèvement qui est là, les deux prélèvements. Là, vous avez NJ et Atlantic Habitat qui sont passés. Comme il n'y avait pas d'argent, ils ont été rejetés et c'est marqué impayé. Donc, c'est-à-dire c'est recrédité. Et c'est après que l'argent de l'héritage du notaire, vous avez dû appeler le notaire pour dire « Oh, c'est fort, les enfants ne mangent plus. Est-ce qu'on peut avoir une avance sur tout, blablabla ?» Le notaire a dû vous faire un virement de 9 000 balles. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas chercher loin. On revient derrière. Alors, c'était où qu'on la cherchait là ? Pour des affaires d'escroquerie. Voilà, regardez. Donc ici, elle est recherchée dans le cadre d'une affaire d'escroquerie. Vous voyez? Donc dans le cadre d'une affaire diligentée pour des faits d'escroquerie, merci de nous communiquer toute information concernant les personnes rattachées au numéro d'allocataire de la nommée comment elle s'appelle? McDonald HLM Girl. Allô, vous m'entendez? J'ai eu un appel, désolé. J'ai eu un appel. Donc, regardez ça. Voilà. Donc, vous voyez bien que elle est recherchée dans le cadre d'une enquête pour escroquerie. Et c'est donc là que la meuf, elle va cougna. Donc, regardez ici, là. Vous avez ici, là, plusieurs choses. Hein. Donc, il y a, là, ici, c'est la CAF. Et ici, en fait, c'est dans le cadre d'une affaire diligentée pour des faits de faux et usage de faux en écriture privée, 2006, bien vouloir nous communiquer toute information permettant de domicilier la nommée. C'est-à-dire que la meuf, elle avait disparu, elle était recherchée. Comme elle n'était pas sur le territoire français, elle était recherchée. Donc, les policiers voulaient mettre la main sur elle. Voilà. Donc, ici, elle était recherchée pour faux et usage de faux. Les policiers voulaient mettre la main sur elle. Et c'est donc pour ça que la meuf, elle a couru pour aller déposer cette soi-disante plainte
pardon, elle allait déposer cette soi-disant plainte pour, comment dire, pour dire qu'elle a été usurpée, en fait. Voilà. Donc, c'était par rapport à ça. Vous voyez? Faux et usage de faux. Donc, quand vous voyez quand même que c'est elle qui m'a, c'est elle qui a accusé les Bamileke d'être les champions de faux usage de faux. Alors, si c'est vrai, McDonald's de HLM Girl, bah, vérifie quand même, ton papa doit être Bami aussi. Hein. Peut-être ton papa, c'est mon cousin. Peut-être ton papa, c'est un cousin Chan. Je ne sais pas. Vérifie bien, son père n'est pas Chan. Parce que si ta théorie, selon laquelle les Bamileke, c'est les champions du faux, faux et usage de faux, c'est pas moi qui suis condamné pour faux et usage de faux. Hein. C'est toi. Faux et usage de faux. C'est toi, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas un Bami. C'est toi. Voilà. Donc, si vous avez encore, si vous avez encore des Bamileke qui allaient aller la supplier sur sa page, que, non, pardon, attends-toi, Serge Anango, laisse les Bamileke tranquille. Et vraiment, des sous-hommes, c'est pas possible, quoi. J'ai jamais vu des gens aussi pauvres mentalement, quoi. Jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Jamais. Donc, je vous ai dit depuis le début de la semaine que quand vous allez voir Marlène attaquer les gens avec une phrase, sachez que c'est ce que ça veut dire. Elle est partie dire devant Patricia que je l'attaque parce que je suis jaloux de son intelligence. Non, non, non. Il n'y a rien d'être, il n'y a rien à être jaloux. Déjà, on n'a pas fait la même filière. Je ne vois pas pourquoi j'allais me comparer avec toi. Je suis quand même plus à l'aise dans ton domaine que toi dans le mien. Je peux te coincer sur plein de choses en droit. Je peux te fracasser en littérature sur plein de trucs. Mais tu ne peux même pas m'effleurer avec les maths de troisième. Quand je débat avec les littéraires, quel que soit leur niveau, j'ai un avantage certain par rapport à eux. Onan Guini le disait lui-même à l'époque où il était mon pote. Un jour, je lui ai fait une dissertation en droit. Il m'a dit, je suis jaloux de toi, Serge. Parce que tu viens dans notre domaine. Je lui ai dit, corrige ça, prof. Il m'a donné 16. Il m'a dit, je te donne 16, mais je suis jaloux de toi. Parce que tu viens dans notre domaine nous chercher alors que tu es mathématicien, on le sait. Tu viens nous chercher alors que nous, on ne peut même pas t'effleurer dans le tien. Voilà. Donc, c'est pour dire que le jour, si je peux jalouser l'intelligence de quelqu'un, ça doit d'abord être un matheux. Pas un juriste, quoi. Vous connaissez, c'est peut-être les gens qui fantasment souvent sur Camto que grand professeur de droit, mais si vous savez à quel point je m'en branle. Non. Pour que ton intelligence m'intéresse, il faut que tu sois un matheux, mec. Quand les gens que je dis, là, le Joe, là, non, il est fort, c'est un matheux. Je vais pas branler devant un littéraire, quand même. Ça n'a aucun intérêt. Tu sais quoi que je vais aller me branler devant un littéraire? Sérieusement? Donc, c'est pour ça que c'est des phrases, c'est la preuve, c'est elle qui me jalouse, en fait. Je vous ai dit, tout ce qu'elle dit, c'est l'effet miroir. Tout ce qu'elle dit des gens, ça se vérifie. Elle a dit que les gens sont ses champions en faux usage de faux, alors que c'est elle qui a été condamnée pour faux usage de faux. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui a été en prison. Voilà. Et quand vous êtes condamné, vous devez rembourser les dettes. Donc, Marlène, elle sait que si elle a un compte à son nom et qu'elle a l'argent qui rentre, on prend tout. C'est pour ça qu'elle n'a pas de compte. Marlène tente d'open un compte où elle met dedans 10 000 euros engloutis direct. Je suis sûr que sa société, les ailes de l'Afrique, là, c'est même pas son nom. Je dis pas que j'ai la vérité, j'ai pas l'information, j'ai pas checké, mais je peux vous garantir que si vous cherchez bien, elle a tellement entraîné ses filles dans des galets, il y a des crédits qu'elle a sollicité le nom de ses enfants. Elle a entraîné ses enfants dans des galets, il y a des crédits. C'est parce que, je vous dis, il y a plein de choses que ça concerne sa mère et ses enfants, donc on va pas présenter ça ici. Mais les gars, je pense que le peu que je vous ai présenté, ça permet de me faire confiance sur la suite. Même si ça ne change strictement rien. Je crois qu'il établit que c'est une voleuse, que c'est une escroque, que c'est une mauvaise mère. Et une mauvaise femme aussi. En fait, qu'est-ce qu'elle a comme bien? Il y a de quoi bien? Où est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne quelque chose? Peut-on dire que c'est une bonne personne? Je vous pose la question, les gars. Peut-on dire que c'est une bonne personne? Peut-on dire que c'est une bonne personne, les gars? Donc, je résume, hein, dans ce live, et le résumé, il est très clair, le texte, hein, il y a un texte qui accompagne ce live, qui résume clairement. Comment, est-ce que vous pensez donc que, vu tous les... Elle vous a servi une série d'explications depuis le live de la dernière fois. Pensez-vous que ces explications soient compatibles avec les informations que je viens de vous présenter? Répondez, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Vous êtes 420 là, ou 430, je ne sais même plus. Là. Ça oscille entre 430 et 445. Je ne sais pas pourquoi ça oscille comme ça autant. En tout cas, bon, allez, je prends la moyenne entre deux. 430. Vous êtes 430. Vous pensez que c'est compatible ou pas? Le coup de j'ai une société, je vide ma société. Vous croyez qu'il y a quoi qui est compatible? Tous les éléments qui arrivent accréditent la thèse de escroc, fauché, vivant en HLM. Vous croyez qu'il y a les moyens de louer un appartement? Avec quels moyens? Sa situation, elle est insolvable. Son mari est fauché. Vous croyez qu'ils peuvent louer un vrai appartement? Non, si ce n'est pas les HLM en France, c'est la Lille.
Donc, je tiens à vous dire ici là que je sais que Marlène est soutenue par des idiots qui se référaient à elle pour valider leurs opinions. C'est-à-dire qu'ils pensaient à des trucs débiles et ils se disaient cette docteur-là pense comme moi et ça les rassurait. Je vais simplement parler à d'autres personnes. Vous êtes peut-être une femme de province qui travaillait dur. Vous êtes aide-soignante, vous êtes peut-être enseignante, vous êtes femme de ménage. Peut-être vous regardiez cette connasse, vous étiez complexé par elle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous valez 1000 fois mieux qu'elle. Donc, franchement, n'ayez plus de complexe sur les gens sur les réseaux sociaux. Quand vous avez un travail, assumez votre travail, aimez votre travail. Vous attaquer par rapport à votre travail, c'est hors de propos. On peut vous attaquer sur votre travail si vous cachez votre boulot et vous attaquez les autres. Tu es femme de ménage. Tu ne vous as pas dit que tu es femme de ménage. Tu viens t'attaquer à un ingénieur. Oui, je vais t'attaquer avec ton boulot, c'est vrai. C'est vrai. Mais je respecte quelqu'un qui travaille. Je ne vais jamais me mettre à. Je vais jamais considérer que je vaux mieux que toi parce que tu es femme de ménage, je suis ingénieur. Si je fais même ça dans mon boulot, je suis viré. On a des femmes de ménage dans nos boulots hein, qui viennent nettoyer les bureaux, faire ça. Si je me comporte mal avec eux, je suis viré. Une femme de ménage peut me faire perdre mon boulot en France. Une femme de ménage peut me faire perdre mon boulot en France. Tu n'as pas le droit de lui parler n'importe comment. Et heureusement, parce que c'est des femmes très professionnelles, très humaines, qui forcent le respect. En tout cas, les femmes de ménage, j'ai une femme de ménage qui vient tout le temps le soir. Et je suis parmi les derniers souvent à partir. J'ai toujours un mot gentil pour cette dame. Donc, je respecte les femmes de ménage. Acceptez simplement votre travail. Ne cachez plus votre travail pour venir sur Internet par honte. Les gens qui font ça, c'est les gens qui se mêlent de la vie des gens. Et vous ne serez plus en sécurité. Là où, quand je vais voir une blogueuse qui vit en France, et heureusement pour nous, la plupart de ces blogueuses chieuses vivent en France. Dès que je vais voir une blogueuse, la merdeuse, là, qui va faire des lives pour attaquer quelqu'un, alors qu'on ne sait même pas qui elle est, vous inquiétez pas que d'ici quelques jours, vous aurez mon dossier, son dossier sur mon bureau. J'ai un corbeau qui est aussi lui-même assez désabusé par ses comportements. Je peux vous dire qu'il est même plus d'ailleurs, il est même plus énervé que moi sur ces questions-là. Je suis même plus modéré que lui, pour vous dire la vérité. Je suis plus modéré que lui. Parce que j'ai eu le temps d'être réaliste par rapport au Camerounais. Je peux vous dire que le corbeau en question ne supporte pas. Ça le dégoûte, vous n'avez même pas idée. Il ne fait pas ça pour régler des comptes. C'est juste qu'il en a marre. Il en a marre que quand on regarde les Camerounais sur Internet, quand on dit quel est le Camerounais que vous connaissez sur Internet, on va lui dire Amer Kamer, du Kamer et McDonald's, HLM Girl. Voilà, il en a marre de ça. Donc vous inquiétez pas que vous avez en face de moi, j'ai quelqu'un qui est même plus déterminé que moi à régler ce problème-là. Donc, quand vous allez être une blogueuse, vous allez faire vos mamans là sur les réseaux sociaux que je suis milliardaire, j'ai des investissements en France. Vous inquiétez pas, votre situation fiscale sera sur le bureau du procureur. C'est pas une menace. Hein. Si vous voulez pas que le procureur s'intéresse à vous, soyez discret. Soyez discret ou soyez honnête. Dites ce que vous êtes. N'allez pas attaquer les gens en mentant, en croyant qu'on ne sait rien de vous. Là, si je veux le dossier de Kertil Bamit, alias Bertil le Camille, là sur mon bureau, j'irai demain. Mais il n'y a plus besoin. Il s'est rangé, le mec. Maintenant, il parle de son boulot, il est fier de son travail. Et je suis heureux qu'il soit enfin fier de son travail. C'est une façon de dire que les gens dont le métier, c'est de raconter leur vie de merde, venir sur les réseaux sociaux, on ne sait même pas qui tu es. Tu es un faux type. Parce que tu as juste une photo de profil avec ton nom. On ne sait même pas qui tu es. Et tu te permets de dire, ingénieur dans sa tête. Mouf! Il gagne 20 000 euros dans... Non, t'inquiète. On va expliquer aux gens pourquoi tu es comme ça. On va expliquer aux gens pourquoi tu es comme ça. On va analyser ta situation. Et on va découvrir facilement que tu es au RSA, tu touches 700 balles par mois. Que quand tu entends 20 000, tu te rends compte que c'est 40 mois qu'on te verse. Quoi. 40 mois, il te faut 40 mois pour toucher ça. Oui, on comprend pourquoi ça te traumatise tant. On va expliquer ça aux gens. Et je sais que les Camerounais, ils ne sont pas encore prêts à ce système-là. Un système de vérité, un système de transparence. Ils ne sont pas encore prêts. On le fera. Et je vous ai dit que le corbeau en question, si moi je ne suis pas propre, il aura simplement à prendre aussi mon dossier balancé à quelqu'un d'autre. C'est très simple. Parce que bien sûr que, voilà, il faut être propre. Ne venez pas mentir sur vos vies. Et mieux que ça, ne venez pas attaquer les gens. Alors qu'ils valent mieux que vous. Donc moi, je parle ce soir aux femmes de ménage. Je parle aux petites femmes qui sont en France, qui se débrouillent tous les jours à travailler, à nourrir leurs enfants, à apporter un revenu complémentaire à celui du mari, qui regardaient souvent ces gens-là en pensant qu'elles étaient mal nées, qu'elles avaient eu une mauvaise étoile. Alors, non, vous valez 1000 fois mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce live. Vous valez 1000 fois mieux. C'est la bonne nouvelle. D'accord? Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai fait façon canard enchaîné. On balance d'abord une première partie.
Oui, je vous dis, là, quand la dame me disait, Kikinette vient ici, comment tu expliques que j'ai l'anniversaire d'Iris en 2019? En fait, il faut savoir que le contrat de bail, c'est tous les 3 mois. Et lorsque vous faites une attestation, l'attestation va à la date du contrat de bail. Donc, c'est tous les 3 ans, pardon. Et donc, c'est renouvelé. Le contrat de bail, il est renouvelé tous les 3 ans. Donc, si je habite dans une maison en location pendant 6 ans et que je fais une attestation d'hébergement, cette attestation va prendre en compte la date de renouvellement du contrat. Ça ne veut pas dire que tu ne vivais pas là-bas avant. Et parce que j'ai une facture, hein, j'ai une facture de là-bas, parce que peut-être elle croit que je plaisante. Je vais vous montrer ça. J'ai une facture. Tac. Deux petites secondes, je vais vous la trouver. J'ai une facture à cette adresse de 2018, et peut-être de 2015 aussi, je crois. Donc, je vais vous la trouver. Alors, je vous trouve cette facture-là et je vous la présente. Donc, elle va voir que quand elle voulait prétendre... Nous, quand on vous balance des éléments, on attend d'abord, vous agitez, vous mentez. Vous essayez de vous mentir bien et on vient vous assommer derrière. C'est notre boulot. Alors, tac. Elle est où, cette facture diante? Voilà. La facture, elle est là. Vous voyez? Donc, son enfant est en demi-pension. Il s'agit de Ekoto Ambongo José Miguel. D'accord? C'est probablement l'aîné. Hein? C'est probablement l'aîné. Je ne sais pas lequel c'est. Voilà, ça, c'est des documents, certificats de scolarité. Voilà, c'est un certificat de scolarité. C'est un enfant qui est né en 2006, pardon. Voilà, vous voyez que ça a été fait le vendredi 7 septembre 2018. Voilà, 7 septembre 2018, l'adresse était 5 rue Anne de Bretagne. Donc, ce n'est pas étonnant que tu fasses l'anniversaire d'Iris en 2019 à cette adresse-là. Ce n'est pas étonnant. Donc, quand toi, tu es venu balancer ta maman là sur Internet, que Kikinette vient ici répondre à ça. Serge Bobson, je te prends toi. Pardon, s'il vous plaît. Demain soir, je serai un peu disponible. Si vous voulez, on fait le débrief demain soir. Donc, demain soir, je donne rendez-vous à 21h pour le débrief. Donc, Serge Bobson, je te prends toi. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne va pas balancer tout. On va la laisser se débattre. Si elle donne encore d'autres éléments sur lesquels ses followers veulent s'accrocher, on reviendra. Il y en a d'autres. J'ai hâte de voir l'explication qu'elle va donner pour ça. Est-ce qu'elle va dire, Sergio Bobson accepte la demande. Si tu n'es plus là, je supprime la demande. Donc, Sergio, si tu es encore là, renvoie ta demande. Donc, je supprime ta demande. Je peux inviter peut-être la matière du quad. Elle a fait une excellente vidéo hier. Je l'ai partagée sur ma page. Donc, la matière de quad, je te prends toi. Hein? Je te prends toi seul. Vu que si Sergio Bobson n'est pas là, je te prends toi seul. Parce que j'ai partagé ta vidéo sur ma chaîne aujourd'hui. Voilà, la matière du quad. Donc, tu peux accepter la demande avec le téléphone à la verticale, s'il te plaît. Et s'il n'y a personne, si elle ne peut pas prendre... Oui, bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous demain soir vers 21h30. Pour le débrief du live d'aujourd'hui. Et puis d'ici là, on aura le temps de regarder les dernières inventions. Vas-y, renvoie ta demande, Sergio Bobson. Je ne la vois pas, ta demande. Renvoie ta demande, s'il te plaît. On va pas mettre long, hein, 10 minutes à peine. Renvoie ta demande, sinon on fait ça demain, quoi. Oui, Anaïs, écris-moi l'adresse Serge le procureur. Écris-moi l'adresse Serge le procureur, comme ça je pourrais t'appeler. Ne m'écris pas sur SATV parce qu'on ne peut pas appeler avec les pages. Je peux appeler avec mon email Serge le procureur, mais je ne peux pas appeler avec les pages. Voilà. Donc, je vois que Serge Bobson n'a pas envoyé la demande, donc je ne peux que vous donner rendez-vous pour demain soir en espérant que vous avez passé un bon moment. Bien sûr que c'est un bon moment. Je sais que ça torture une personne, mais bien sûr c'est un bon moment parce que c'est toujours un moment de coffrer les menteuses, c'est toujours intéressant. Moi je vous ai dit, je ne fonctionne pas. Ok, il n'y a pas de problème. La matière, demain je serai en live à 20h, donc pour le débrief, ça sera vraiment qu'on va se parler entre nous. Donc dès que je me connais, vous pourrez demander la parole. Et ça serait intéressant pour ceux qui auront regardé ces élucubrations de venir les développer. Ne m'envoyez pas ça en privé, s'il vous plaît. Ne m'envoyez plus ça en privé, je vous en supplie. Sauf si elle apporte une preuve. Ne venez plus me dire, elle a dit que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai vu les gens m'appeler, me dire qu'elle a dit que le matin, mystiquement. Si tu avais la puissance mystique, tu faisais dormir tous les gardiens de prison quand ton père était en prison pour que celui-ci puisse s'échapper, non? Tu n'as pas les mystiques
Ça va être, tu sais, Jalango, tu es malade. Tu as la puissance mystique, tu laisses ton père mourir comme une chèvre en prison, alors que ton père, c'était quand même un type génial. La mort de ton père en prison m'a attristé. La mort de ton père m'a sérieusement attristé. Bah écoute, Yubas, je peux te donner la parole, toi, vu que toi, tu connais ces gens-là. Demande la parole, Yubas. Je te prends, toi. Demande la parole, Yubas, s'il te plaît. Et puis, donc ça, c'est le cher voisin. Non, tu peux même pas demander la parole. Tu n'as pas la caméra sur ton nom. Bof. Donc, non, la sorcellerie, ça ne fait peur qu'aux gens qui croient. Ça ne marche pas. C'est des conneries. Il n'y a pas de sorcellerie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous... Désolé, Sergio. Tu m'appelles par WhatsApp sur le téléphone avec lequel je suis en live. Et je ne peux pas prendre ton appel par WhatsApp. Mais malheureusement, connecte-toi demain à 21h30. Demain, entre 20h et 21h30, c'est pareil pour chers voisins. Je pense que c'est mieux qu'on fasse comme ça, les gars. Demain, on fait vraiment le débrief. Chacun digère ce qui s'est passé ce soir. Parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui se disent, mais, ils sont like, what? What? Donc, ils réalisent pas, quoi. Ils se disent, mais c'est pas possible. Je dis, mais, non, mais, autant on pouvait imaginer que les gens sont mythos, mais pas à ce niveau. On pouvait imaginer que, bon, l'anga peut-être des difficultés, mais pas à ce niveau. On pouvait imaginer quelques défauts chez cette nana, mais pas mauvaise mère. Donc, voilà. Donc, je suis... Non, comment tu vas? Mvoutson, si tu as la sorcellerie, fais que ta sorcellerie crée un compte bancaire sur lequel il y a de l'argent. L'argent, tu rembourses tes dettes et tu vis normalement. Ce n'est pas une vie. Tu peux même pas réserver un billet de train avec ta carte. Tu peux pas. Tu peux pas réserver un billet de train avec ta carte. Peut-être les seules cartes que tu as qui fonctionnent, c'est les cartes du Cameroun où tu avais mis tout l'argent de ton Joe. Tu as foutu tout son pognon là-bas. Bien, les amis. Bonne soirée. Je vous souhaite une excellente soirée. Et demain, on fait le débrief. Et d'ici là, je lance un petit pronostic avant de partir. À votre avis, combien de live post et live confondus elle va faire d'ici demain 21h? À votre avis, écrivez vos pronostics en commentaire. Écrivez les pronostics en commentaire. À votre avis, là, d'ici demain, elle aura fait combien de live et des trucs? Ce qui me fait rigoler, c'est la pauvreté de la nana. Elle pense qu'elle va faire des vidéos. Elle va dire qui qui était vraiment Flore de Lille, payer les droits à Flore de Lille. Flore de Lille vous a vraiment sauvé avec l'expression là. Flore de Lille vous a vraiment fait un cadeau avec ça, quoi. Parce que j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu Flore de Lille avec ça, mes adversaires, ils n'ont rien en fait. Ils n'ont rien contre moi. Ils n'ont absolument rien. Voilà quelqu'un qui s'est dit docteur et pour attaquer un ingénieur, il s'inspire de Flore de Lille. Flore de Lille, finalement, vous passe tous. C'est la patronne. Je vais faire aussi le. Je vais aussi faire le. Comment on appelle ça là? Comment on appelle ça, putain, quand on flatte les gens là, je vais aussi faire la talakou de Flore Delis. Oh ha! Flore Delis, c'est votre patronne. Oh ha! Je m'en l'air con de parler comme ça en fait. Mais je le fais quand même. Flore Delis, c'est votre patronne. Parce que depuis un certain temps, tous ceux qui m'attaquent, ils ont que Flore Delis comme. Ils ont que la référence de Flore Delis. Donc c'est vrai que. Non, c'est votre patronne. Il faut l'accepter, les gars. Faut l'accepter. Donc rendez-vous demain, 21h30, pour le débrief. Donc d'ici là, digérez bien. Prenez bien, acceptez. Voilà. Et pensez à ce que ça vous fait de vous dire d'avoir été trompé autant de fois, autant de temps. Donc pensez à tout ça, quoi. Donc, demain, venez. Après, s'il y a même les gens qui peuvent intervenir en appelant par le Facebook privé, on pourra le faire avec l'enceinte, puisque je n'aurai pas besoin de l'ordinateur. J'aurai juste besoin de mon téléphone. Donc, on pourra être nombreux. On pourra en discuter. Donc, je vous dis demain, à demain, 21h, entre 21h et 21h30, heure de France. Bien entendu, il sera 15h30 à Baltimore et à Montréal. Il sera probablement 12h30 à Los Angeles. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.